sorcière, dégage de là. Je t'ai dit que nous avons des affaires inachevées. Que nous les finirons au bon moment. Voici le bon moment. Tu as complètement perdu la tête. C'est comme tu penses que je suis là pour m'amuser. Chérie, je te parlais, tu pensais que je m'amusais. Je t'avais averti, mon frère. Je t'avais averti. Chérie. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? T'as fait un mauvais rêve? Chérie, tu m'as fait peur, oh. Chérie. Chérie, qu'est-ce qu'il y a, non? Chérie. Votre Majesté, je crois qu'il va mieux maintenant. Vous pouvez aller dormir. Infirmière, mais comment pourrais-je dormir? Et pourquoi il ne répond pas au traitement? Votre Majesté, déjà demain, nous allons lui faire quelques examens pour voir ce qui ne va pas avec lui. Mais pour l'instant, vous devez dormir. Maman, je ne saurais pas. Il va bien. S'il te plaît, va dormir. T'inquiète. Je resterai moi-même prendre soin de lui, mère. Maman. Votre Majesté, moi j'ai peur. Maman, laisse-moi prendre soin de lui, s'il te plaît. Va te reposer. Mère. Mère. S'il te plaît. Va te reposer. Va dans ta chambre. T'inquiète, il ira mieux. Arrête de te préoccuper, maman. Mon mari. Mon mari, qu'est-ce qu'il y a? Mon mari, pourquoi tu bois à cette heure? Mon opposant politique veut me tuer. Tibouzebog veut me tuer. Tu vois, Ichi. Les choses ont changé. On ne dirige plus le monde d'aujourd'hui avec l'esprit de dictat, la force brutale ou avec des armes. Non. Le monde d'aujourd'hui est dirigé avec de la sagesse. Sagesse. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce que tu fais, assure-toi de le faire avec sagesse. C'est très important. Ichi. Nous ne pouvons pas confier notre grand royaume, les affaires de ce merveilleux royaume, à des charlatans. Oh non, pas quand nous avons un homme noble comme moi. Non. Donc, ce que je dis est très simple. Soutiens mon idée de devenir roi. Et je te promets, je vais amener ce grand royaume au sommet des sommets, là où il est censé être. Exactement là où il doit être, au sommet. Tibouzo en personne. Léoudogo en personne. Tu as bien parlé. Malgré qu'il y a une grande sagesse dans ce que tu as dit. Merci. Mais nous ne pouvons tout de même pas oublier que le roi est toujours vivant. À peine en vie. À peine en vie. Et ça, tu le sais très bien. Sa santé se détériore de jour en jour. Hein? Mon cher oncle, sa majesté, se bat pour sa vie. Tout ce que tu dis sont des choses que je connais très bien. Mais il y a une chose que tu sembles oublier. Il a un fils. Un fils qui est censé le remplacer quand il aura finalement
rejoint ses ancêtres. Exactement. Et c'est le charlatan dont je parle. L'imbécile qui a eu le privilège d'avoir été envoyé à l'étranger pour étudier. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé là-bas rejoindre de mauvais gangs, commencer à fumer, à boire et à faire de n'importe quoi. Il est devenu un drogué, un toxicomane. Hein, qui donne une mauvaise image à ce royaume? C'est le genre de personne à qui vous voulez confier les affaires de ce royaume? Bah non, 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 non. Papa, papa, pourquoi tu refuses toujours d'aller à l'hôpital pendant que ta santé ne fait que s'empirer? Dis-moi, papa, tu souhaites partir et nous laisser dans ce monde? As-tu des nouvelles de ton frère, Lawrence? Non. Je l'ai appelé, mais il ne répond pas à mes messages ni à mes appels. Ok, c'est bon, partez. Je dois me reposer. Votre Majesté, selon les diagnostics que nous avons faits, nous devons vous mettre sous traitement maintenant là. J'ai dit, vous devez partir, j'aimerais rester seul. Papa, s'il te plaît, laisse le docteur faire. Sa Majesté. Bonjour, ma princesse. Oh, Amara, ça va? Je vais bien, ma princesse. J'apporte de la nourriture au roi. Oh, tu peux entrer, il est là. Docteur? Oui? On peut aller voir maman. Derrière vous, princesse. Votre Majesté, votre repas est là. Laisse ça et va-t'en. Votre Majesté, ça va refroidir. Vous avez besoin de ça maintenant. Ok, désolé. Moi, Wakem, apporte-moi cette enveloppe. Ça va. Ije. Prends ça. Cette enveloppe contient 2 millions de naira. 2 millions. 500 000. Pour toi. Pour moi? Toi seul. Ça, c'est ta part. La somme restante, partage ça pour les anciens. Il faut les partager ça. Équitablement. Tu n'as pas besoin de compter ça. Ce que je te dis, c'est ce qu'il y a dedans. C'est bouzard. Tu as 6 millions là-bas. Crois-moi, c'est ce qui est dedans. Prends 500 000 et partage le reste pour les anciens. Écoute, fais savoir aux anciens que tout ce que j'ai besoin d'eux est leur soutien. Ok. Hein? Hein? Ils devraient parler en ma faveur et fais de moi le roi. Hein? Et ils peuvent aller se reposer. Une fois que je serai roi, ils toucheront une chose pareille régulièrement. Et le développement de notre royaume est assuré. Ok. Chibuzo. Je sais que tu as de bonnes intentions pour notre royaume et son peuple. Et je sais également que tu es l'un des hommes qui ont la connaissance dans différents domaines qui concernent la modernité. Bien sûr, bien sûr. Je vais soutenir ton accession au trône. Merci. Merci, Ije. Mais en une condition, que tu puisses seulement accéder au trône
après la mort de Izio Kadibo. Ok. Et si tu planifies de lui faire un coup d'état quand il est encore sur ce trône, tu n'auras pas mon soutien. Oh non, 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 non. Dis donc, je ne peux pas faire une chose pareille. Papa, maman, mon oncle ou une autre personne. Hein? Je ne peux pas. Je suis un citoyen honnête, je ne peux pas faire ça. Ce que je dis est très simple. Le moment où il trépassera, je serai roi. Chibuzo, Odoku, considère-toi comme roi dans l'avenir. Ike. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Merci. Tu sais, mon père a l'habitude de dire que je peux compter sur toi. Ton père est un très bon homme. Toi, son fils devrait être le roi de toute façon. À part Laurence, tu es la prochaine sur la liste de royauté pour accéder au trône. Merci, Ichi. Je vais prendre congé de toi maintenant. Ok. D'accord. Ichi, si quelque chose te taraude de l'esprit, partage ça avec mon père. Il me fera peur. Tu peux toujours compter sur moi. Ichi, merci. Merci. Odogu, les lions en personne. Ouais. Votre Majesté, espérons que le roi se rétablisse parce que maintenant là, c'est pas évident. Mais si je peux demander, qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Prince Laurence? Personne ne sait. À chaque fois qu'on essaie de le joindre au téléphone, il ne décroche pas. Et même quand il le fait, docteur, s'il te plaît. Arrêtons de parler de ça. Focalisons-nous plutôt sur le rétablissement de Sa Majesté, s'il te plaît. Bien, Votre Majesté, il n'y a rien que personne puisse faire maintenant. Il faut que le roi coopère. Sinon, ça sera compliqué. Croyez-moi, tous les médicaments que je lui donne maintenant, c'est comme mettre de l'eau dans un verre déjà rempli. Oui, tout ça c'est pour vous dire que la présence du prince sera vraiment très importante. Sinon, Votre Majesté, le roi mourra. Essaies-tu de dire qu'il n'y a aucun espoir pour lui? Peut-être qu'on doit essayer de joindre Prince Laurence. Faites tout ce que vous pouvez pour le convaincre de rentrer à la maison. J'espère que son retour aidera les rois à se rétablir. Et c'est en ce moment-là qu'on commencera avec le traitement. D'accord, je vais essayer de l'appeler. Vous avez intérêt. Pas seulement pour vous, mais pour tout le royaume. Bien, Votre Majesté, je pense que maintenant là, je dois partir. S'il vous plaît, appelez le prince Laurence et donnez-moi la suite. Merci, ma princesse. Votre Majesté, pourquoi tu nous infliges ça? Hein? À cause de Laurence, tu veux te donner la mort? Ne nous fais pas ça, s'il te plaît. Rétablis-toi vite. Ta fille a besoin de toi. Et moi aussi. A-t-il appelé? Il n'a pas appelé. Dans ce cas, s'il te plaît, laisse-moi seul. Votre Majesté, je n'irai nulle part. C'est quoi ça? Pourquoi tu nous traumatises? Hein? Juste à cause de Laurence qui est aux États-Unis, qui est en train de se régaler et faire tout ce qu'il veut. Tu veux te donner la mort? Tu nous traumatises, Sa Majesté, je n'irai nulle part. C'est quoi ça? Oh mon Dieu! Laurence, dis-moi, de quoi parles-tu? Dis-moi, papa a mal fait de t'envoyer aux États-Unis d'Amérique pour préparer ton avenir? Laurence, pourquoi tu choisis d'être malin à son égard? Ça m'est égal. Si tu veux rester là pour du bon, c'est à toi de voir. Mais laisse-moi te dire, les gens cherchent à détourner ton trône.
Laisse-moi parler avec lui. Donne-moi le téléphone. Allô? Lorenz, c'est moi ta mère. Ça m'est complètement égal ce que tu es en train de faire là-bas. Mais si par malheur tu n'arrives pas à rentrer dans ce royaume dans 2 semaines, alors ne m'appelle plus jamais ta mère. Bon après-midi, Chief. Salut, comment ça va? Bien. Comment ça se passe dans le palais? Tout se passe comme on l'avait prévu. Mais s'il te plaît, je crois que j'aurais besoin de plus de produits. Plus? Oui. Ah, j'espère que tu n'as pas tout versé dedans, n'est-ce pas? Non, comment pourrais-je faire ça? Hein? Si je le fais, ils vont se douter de quelque chose. Et si jamais ils le font, je serai la première à être suspectée parce que c'est moi qui s'occupe de sa nourriture. Je ne peux pas. Tu as raison. J'espère que tu te rappelles de tout ce que je t'ai dit. Oui. On verra bien. Prends ça. Merci. Attends, calme-toi. Pas de panique, hein. Continue à l'administrer comme je te l'ai dit. Même quantité, ok? N'oublie pas. Cet argent est pour toi. C'est pour toi. Merci beaucoup, Chief. Merci en tout cas. Tu sais quoi? Tu me manques. Tu m'as manqué aussi. On se verra bientôt, ok? Écoute, s'il te plaît, tu dois faire un plan cette semaine pour que nous passions la journée, d'ailleurs la nuit ensemble. Tu as raison, mais pas cette semaine. Je dois voyager. Tu sais que je suis vraiment occupé. Je voyage cette semaine. Une fois que je suis de retour, on se verra. Je compte sur toi. Et rassure-toi de ne pas regarder notre fille. Même pas. Tu sais que tu es la seule personne. Non? Je t'aime, bébé. D'accord. Prends soin de toi. Ok, prends soin. Mon chéri d'amour. Qu'est-ce que tu as comme renseignement? Il rencontre tous les anciens du village. J'avais même demandé à un ancien et il me l'a confirmé. Il veut leur soutien. Tu as bien fait. Chibuzo. Lorsqu'un coq pense que ses ailes sont aussi puissantes qu'il peut se comparer à l'aigle, il finit par être détruit et découpé. Tu me défies, moi Jude, ou Similia Tata. Je vais te réduire en cendres. Selon moi, boss, vous pouvez lui demander de se retirer. Envoie-lui un message. Qu'il sache que j'ai toujours 10 pas d'avance sur lui. D'accord, boss. Alors, Chibuzo, mon cher. Je suis un homme de parole. Quand je donne ma parole, je ne change plus. Ok? Je t'avais dit que moi, je suis derrière toi. Comme ton père Odjen doit dire que tu es bon. Cela veut dire que tu es bon. Merci. C'est simple. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Hein? Et je suis content que tu me soutiens. Oui. Je te donne ma parole. Une fois je serai roi, on verra. D'accord.
Ifaï. Ifaï. Hey. Mes yeux sont toujours sur toi. C'est quoi? Hein? Donc je ne rêvais pas. Donc ça atteint ce niveau. Oh mon Dieu. Hey. Hey. Naï. Qui penses-tu aurait fait ça? Je ne sais pas. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que j'en apprendrai un peu plus sur ça. Et je vengerai la mort de mon gars. Ça, c'est sûr. Il faut rien. Le jeune homme-là était une personne très gentille, si humble et laborieux. Où est-ce que tu vas? Pour aller trouver la personne qui a tenté à ma vie. Mon fils, calme-toi. Ça a été fait. Sa voiture a été aperçue devant la maison de Ichie. C'est là que notre gars a frappé. Il a tué un homme et lui a jeté la lettre. Ça, c'est très bien. Maintenant, il saura pourquoi on m'appelle Osimilia Tata. L'océan qui ne sait jamais. Mon mari, qui a-t-il tué? Personne, femme. Arrête de te mêler de mes affaires. Non! Non, ne me dis pas ça. Je t'ai entendu discuter. Tais-toi, femme, et sors d'ici. Va-t'en. Boss, je suis sûr que les gars qui ont fait ça travaillent pour Chief Jude, Léo Similia Tata. Jude. Évidemment. Jude. Pensait-il que je veux son poste politique? Probablement. C'est pourquoi il m'attaque. Peut-être. Yakache. Oui, boss. Je te dirai ce que toi et tes gars allez faire. Très bien. Et faire ça de manière propre. Très soignée. D'accord. Faites-moi confiance, ce sera fait. D'accord. Hey mec, boss. T'es prêt? Oui boss. Adé? Oui patron. Ouvre le portail. Thank you.
Boss, il y a une lettre. Qu'est-ce qu'elle dit? Boss, elle dit que je ne suis pas en train de me cacher. Boss, cette lettre provient de Chibuzo. Je ne suis pas en train de me cacher. Chibuzo! Tu me défies! Tu me défies! L'antilope qui se considère comme belle. Manque à dire, quand elle se trouve coincée dans le panier du chasseur. Chérie, qu'est-ce que c'est ça? Je t'avais demandé qu'est-ce qui ne va pas? Avec qui tu te bats? Écoute-moi bien, je ne peux pas t'encourager dans ça. Jamais! Et comme tu continues à me cacher, je vais entrer là-bas, prendre mes affaires et sortir d'ici. Non, je ne peux pas mourir pour quelqu'un, je ne peux pas le faire, jamais de ma vie. Je ne peux pas le faire, non! Aïwa, boss, enlève-moi cette merde. Votre Majesté, mon frère, pourquoi tu te diminues comme ça? L'on dit que la sagesse accompagne la vieillesse. Mais pour toi, hey! Ikenanana, Ikenanana, le vibrant guerrier que j'ai jamais connu. Pourquoi tu cèdes à la faiblesse au lieu de combattre la maladie? Combat-la, mon frère. Tu as toujours été un grand combattant. Pourquoi tu cèdes maintenant? C'est exactement ce que nous lui disons. Mais mon mari refuse catégoriquement d'écouter qui que ce soit. Il est en train de se faire du mal, juste à cause de Lorenz. Le prince Lorenz qui est emporté par le mode de vie occidental, c'est ce qui pourrait réduire un grand lion de Agbabi qui est notre puissant royaume. Hey! Ichiboko, c'est pour cette raison que je t'ai appelé pour que tu parles avec lui. Le docteur avait dit que son corps refuse de répondre au traitement, tout simplement parce que son corps est affecté par l'état de sa psychologie. Mon frère, ne savons-nous pas que la nuit va tomber? Ne savons-nous pas aussi que le jour va arriver? L'on prépare sa journée quand la nuit tombe, avec l'espoir que le jour va arriver. Tu as une fille si brillante et intelligente, assez capable d'apporter ton nom au sommet de la grande montagne. Tu as aussi Chibuzo, mon fils. Ils sont tous tes enfants. Pourquoi pleurer celui qui a déjà erré? Hein? Apprêtez-vous. Nous irons à l'hôpital. Non, aucune importance. C'est la réponse qu'il donne à chaque fois qu'on mentionne le nom de l'hôpital. Mon mari se comporte comme quelqu'un qui s'est déjà décidé de mourir. J'apprécie beaucoup ton inquiétude. Mais j'irai bien, ne t'inquiète pas, j'irai bien. Réellement, c'est sérieux. Mais as-tu pu constater Lorenz pour le dire ce qu'est devenu son père? Les enfants de nos jours, que deviennent-ils? En notre temps, ce n'était pas comme ça. Mon frère. Chemin? N'as-tu plus de respect? Il demande du respect. Du respect pour un foutu vieillard dont le fils veut se comparer à moi. Écoute, foutu vieillard, dis à ton fils, s'il ne reste pas loin de ce qui m'appartient, il ira bien dormir avant la nuit. Fils, es-tu sûr que tu n'es pas mal avisé? Ose m'appeler encore de cette manière.
et je vais te débarrasser de ta misérable vie. Préviens ton fils qu'il reste loin de moi. Et écoute, ce ne sont pas des menaces insensées. S'il ne reste pas loin de moi, je vais mettre fin à sa vie. Avertis-les si tu veux qu'ils vivent. Unamaro. Quand deux éléphants se battent, c'est les herbes qui en souffrent. Fils, c'est ce que je suis en train de te dire. On l'a mal informé. Il pensait que tu te bats contre lui à cause de la présidente du conseil municipal. Et il ferait tout pour l'avoir. Ok, ok, ok. Je le ferai. Je le ferai. Laisse-moi te laisser continuer ce que tu es en train de faire. Celui-là, il est là. Tel que je le vois, je ne pense pas qu'il restera encore plus de 3 mois avant de mourir. Tu deviendras le roi. Ça va, ça va. Prends bien soin de toi. Ça va aller, mon fils. Tu vas devenir le roi de ce grand royaume. Ça va, ça va. Prends bien soin de toi. Ok, bye bye. Hein? Yeah! Chibuzo! Hey! Tu es comme ton père. Ichie, ce que je dis est que jamais je ne tolérerai et n'accepterai que ce petit garçon ruine ma carrière. Je sais ce que j'ai traversé pour sécuriser ce certificat afin de postuler comme chef du gouvernement local. Et Chibuzo est en train d'aller acheter les anciens de ce royaume pour voter pour les membres de son parti. Il n'est même pas dans la course. Et vous espérez que je garde silence? Les jours où Chibuzo a décidé de me ravir ce qui m'appartient, c'est le même jour où il a officiellement déclaré la guerre. Comme on avait dit avant, Jude, tu dois te calmer. Nous deux irons voir Chibuzo et parlerons avec lui à propos de ça. D'ailleurs, Obiora n'est pas originaire de ce royaume. Si Chibuzo doit soutenir quelqu'un, ça devrait être toi, son frère. D'ailleurs, pour mûrir encore cette idée des élections locales, personne du royaume d'Abanike n'a jamais été élu chef du gouvernement local. Et juste cette raison est suffisante pour que vous arrêtiez cette bataille sanglante qui va avec la politique. Alors, arrête cette guerre et nous allons lui parler. Chief, vous ferez mieux de résoudre ça. Vous ferez mieux de résoudre ça, Makana, Mana. Ah, écoutez, hein, je risque de les pendre en public. Jude, nous allons exactement faire ça. Juste donne-nous un peu de temps pour des négociations, ok? Alors calme-toi. Papa, Laurence veut parler avec toi. Oh, c'est Laurence? Ok. Allô, mon fils. Ok. Mais est-ce que tu vas bien, mon fils? Ok, c'est bien d'entendre ta voix. S'il te plaît, je te veux à la maison. Rentre, s'il te plaît. Ok? Père, il continue de parler. Parle avec lui. Allô? Laurence, dis-moi, à quand ton retour?
Non. Allô? C'est bon, papa. Chibuzo, es-tu venu demander pardon pour ta stupidité? Je ne suis pas un homme de paix. Et je n'ai jamais présenté mes excuses. Jamais. Je suis là pour t'avertir. La prochaine fois que tu affronteras mon père pour lui dire des bêtises, ce sera ton dernier jour sur terre. Et je ne vais pas m'arrêter là. Tous tes enfants, en l'internant, je vais les exterminer. Prends note de mes paroles. Boss, vous le laissez partir comme ça. Votre Majesté. Mon amour. Mon mari. Votre Majesté. Votre Majesté. Hé!
votre... Je sais. À l'aide. À l'aide. Au secours. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu. Quoi? Père. Oh mon Dieu. C'est dur. Papa. Papa, 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 papa. Allô? Oh, réponds. Oh, Seigneur, où es-tu? Réponds. Mais Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Mon fils, merci au Dieu. Mon fils, tu dois m'accompagner maintenant au palais. À la prochaine fois, père, je ne suis pas d'humeur. Non, Tibouzin, tu n'as pas besoin d'être de bonne humeur avant de m'accompagner au palais. Ton oncle, le roi Okarigbo, est mort. Quoi? Ouais, il vient juste de m'appeler pour m'informer. J'étais sur le point de t'appeler. Nous devons aller là-bas pour voir si c'est vrai. Hé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu gardes là? Laisse-moi voir. Laisse-moi voir. J'espère que tu n'es pas enceinte. De quoi tu t'émêles? Ces massacres. Devrais-tu arriver à ce point juste parce que tu veux diriger le gouvernement local? Je vous avais dit, monsieur, rien ne pourra m'empêcher de gagner ces élections. Je vous ai dit de prévenir Tibozo, mais vous deux, vous n'avez rien fait. Jude, tu es un fou. Regarde ce que tu as causé. Comment es-tu censé gagner ces élections si les gens apprennent que c'est toi le responsable de ce massacre? La tuerie de ces jeunes innocents, comment? Personne d'entre eux n'est innocent. Ils sont tous des voleurs. Des voleurs. Jude, Tshubuzo que tu combats ne court pas derrière ce que toi tu penses. Tshubuzo a les intentions de devenir roi de cette terre. Ton erreur est que tu penses qu'il essaye de t'empêcher de devenir gouverneur de cet état. Du mensonge. Mes sources m'ont confirmé qu'il est en train d'acheter les gens pour les soutien. Soutien pourquoi? Les soutenir à faire quoi? Jude, ne penses-tu pas avant de réagir? Comment est-ce possible que Tshubuzo sorte de l'argent pour soutenir Obiora, sachant bien qu'ils ne sont pas partenaires? Oh, Jude, tu n'es pas qualifié à être leader. Tu ne peux pas devenir leader. Et je vais me rassurer. Que le parti te révoque et qu'il te retire de la course. Alors dis-moi, Aliwa, pour quelle raison Tshubuzo est-il en train de faire sa campagne? En réalité, Chamo, c'était le jour où nous l'avions attaqué avec le jeune. Nous avions découvert qu'il compte devenir roi. Ok, tu l'as entendu? Tu as vu? Tu as vu? L'as-tu entendu? Allons-y. Tu es un fou. Une espèce de fou furieux. Le parti doit nécessairement te retirer de la course. N'importe quoi.
Je suis désolé, boss. Je suis désolé. Désolé. Chérie! Chérie, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, chérie? Chérie! Chérie, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as tué! Ce fou m'a ruiné! Réveille-toi! Réveille-toi! Chérie, tu l'as tué! Tu l'as tué! Chérie, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Réveille-toi! Réveille-toi! Chérie! Bébé, je peux dire quelque chose? Je crois que tu dois protéger ta famille et ta carrière. Je veux dire, pourquoi ne pas faire la paix avec Chibozo et encourager sa candidature? Il va le faire aussi pour toi en retour. Je veux dire, tu dois apprendre les stratégies de la politique. Il n'y a pas d'ennemi permanent et il n'y a pas d'ami permanent. Viens là. J'ai été si stupide et égoïste que je n'ai pas remarqué l'ange en toi. J'aurais dû t'écouter pendant tout ce temps. Je suis vraiment désolé. D'accord. J'ai compris. Je veux que tu ailles le voir, je t'en prie. Ok? Je le ferai. Une fois que je serai de retour. L'on dit que les proverbes sont faits pour les imbéciles pour apprendre et non pour les sages. Ça fait 7 jours depuis que le roi Okaribo n'est plus. Et nous savons tous qu'on ne peut pas l'enterrer à moins qu'on couronne un autre roi. Je vous demande, mes camarades anciens ici présents avec moi, soutenez-vous toujours le couronnement de mon fils Chibozo roi? Ou devrions-nous attendre ce voyou américain, Prince, qui s'est détruit lui-même avec des drogues? Les anciens. Ndigo, Natuninusina, Akajaja, Nebute, Onomanomano. Chibozo a fait ses preuves dans le passé, qu'il a des mains tellement solides pour diriger notre peuple. Donc, de quelque manière que ce soit, je suis prêt à ce que Chibozo soit notre roi. Akachigomea. Akachigomea. Ichedike, tu as juste très bien parlé. Merci beaucoup. Le poisson ne vit que là où l'eau coule. Ton fils est un bon homme. Et moi, je vais le soutenir. Chaque jour, chaque moment et n'importe où. Tu l'as entendu? Tu l'as entendu? Nous savons tous que dans ce royaume d'Abameke, il n'y a aucune autre personne plus qualifiée pour être le prochain roi de notre royaume si ce n'est pas Chibozo.
Oh oui. Alors je suggère qu'on arrête ces débats et qu'on les couronne directement. Comme ça, nous serons en mesure d'enterrer notre ancien roi au Kadibo. Voilà, tu as bien parlé. Merci beaucoup, mes chers anciens. Vos mots sont réfléchis et s'accordent avec le mien. Nous n'avons pas tout le temps. Préparons ce qu'il faut pour son intronisation. C'est ça, mes camarades anciens. Et tiring boninia nkati. Akatigo, yaya nkatigo ninia nditi. Votre Majesté, nous les anciens vous saluons. Nous sommes venus vous informer que nous avons pleuré votre mari, le roi, pendant longtemps. Nous cherchons des voies et moyens pour l'enterrer, afin que nous trouvions solution à des problèmes sérieux que nous avons. Votre Majesté, Ichi ici a raison, ou bien mes chers aînés. Votre Majesté, vous et moi savons que selon notre tradition et notre coutume, il est impossible que votre défunt mari, notre roi, soit enterré sans qu'une autre personne soit couronnée roi. Maintenant, c'est le nouveau roi qui aura la responsabilité d'accomplir les tâches officielles qui seront nécessaires avant que votre défunt mari, notre roi, soit enterré. Et maintenant, comme prince, Lorenz est introuvable. Il n'est pas ici. Et en écoutant les rumeurs à propos de sa santé, je ne le vois même pas arriver de sitôt. Je ne l'attends même pas. Même s'il arrive maintenant, les anciens, nous n'allons pas le couronner comme roi, votre majesté. Parce que nous ne pouvons pas couronner un toxicomane comme notre roi. Nous ne pouvons pas. Ichi, indiqué, s'il te plaît. Je suis content que tu aies parlé des rumeurs. Et nous ne pouvons pas nous baser sur des rumeurs pour décider. S'il vous plaît, donnez encore au prince Lawrence quelques temps pour qu'il rentre. Et nous ne devons pas oublier combien il était si proche de son père. Ça, c'est avant qu'il ne commence pas à prendre ces choses qui tournent sa tête et lui rendent inutile. Arrête d'insulter le prince en le traitant de tous les noms. Lui avais-tu vendu de la drogue? Lui avais-tu... Si tout ce qu'on raconte à propos de lui n'est pas vrai, pourquoi n'est-il pas là? Tu vois ça? Pose-lui cette question. Est-ce qu'on a fermé les aéroports pour qu'il s'il ne puisse plus rentrer? S'il vous plaît. Que voulez-vous au juste? Ce que nous voulons est que nous voulons donner la couronne à une autre personne. Quelqu'un qui est plus responsable que le prince Lorenz. Bam. Et alors on pourra enterrer le roi. Et pas celui dont l'espoir est jeté en fumée. Et vous trouvez que cette personne vaut mieux que mon fils? Nous parlons de Chibuzo. Le fils de Ichi Edouago. Un bon jeune homme. Riche et intelligent. C'est ça. Et d'ailleurs, Ichi Edouago n'était pas loin de succéder au roi. Oh, je vois. Ichi Eboko, quelle est ta position dans ces problèmes? Devrais-je le demander? Ils ne peuvent jamais prendre ce genre de décision sans que tu ne sois au courant. Votre Majesté, le peuple a fait son choix. Qui suis-je pour les arrêter? C'est parfait. Si cela est le choix du peuple, qu'il soit ainsi. Sa Majesté. Ndiche, Ifani Kache, Anunokuya. Mère, pourquoi? Comment tu peux être d'accord à cet ordre? Mère, sais-tu ce que ça veut dire? Notre vie est en train d'être ôtée. Et le trône de notre papa sera donné à une autre personne. Mère, s'il te plaît. S'il te plaît, est-ce que tu peux revoir cette affaire pour donner la chance à Lorenz? Ma fille, s'il y a bien quelqu'un qu'on doit blâmer dans ces problèmes, c'est ton frère et pas moi. Non. Non, mère. Mère, t'ignores peut-être ce qu'il peut devenir. Mère, s'il te plaît, lutte la énième fois pour ton fils. Je suis fatiguée de me battre.
S'il accordait de l'importance à l'héritage que ton père avait laissé, il serait déjà à la maison en ce moment. Et, Alice, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Mère, mère, tout ce que j'essaye de dire... Je dis, laisse-moi tranquille. Apporte mon téléphone. D'accord, Votre Majesté. Non, je ne vais plus jouer. Quelque chose me dérange. Pourquoi les gens veulent que Chibozo devienne le futur roi de ce royaume? Est-ce qu'il le mérite? Hein? Rappelez-vous, nous avons perdu beaucoup d'âmes parce que il avait caché ses intentions. Si me demande, je dirais qu'il le mérite. Oh ouais. Étant donné que le prince Laurent a décidé d'être un drogué, attends-tu qu'une telle personne s'assied sur le trône quand nous avons des gens comme Chibozo et son père? Ouais. C'est vrai, oh. Je pense que tu as raison. Chibozo mérite par rapport à Laurence. Oui. Regarde, écoutez, Ekene, t'es-tu déjà posé cette question? Hein? Et si le prince rentrait et qu'on découvre que tout ce qu'on était en train de raconter sur lui était de mensonges. Hein? T'es-tu déjà assis et réfléchir là-dessus? Ok, non. Donc, ce que tu dis est que les gens sont en train de mentir. Ouais, c'est ça, non, tu stipules que les gens ne disent pas la vérité. Je n'ai rien dit du tout. Oh. Hein? Mais ce que je ne fais pas, c'est de parler des gens derrière leur dos. S'il te plaît. Hein? Et qui est en train de parler de quelqu'un derrière son dos? Attends. Non, il est en train de dire que nous faisons des commérages. Écoutez, ouais, les gars, ça, je ne participe pas au commérage public. Non, ça... Si tu veux nous insulter, va droit au but et insulte-nous. Arrête d'aller de gauche à droite. Tourner autour de la peau. Père, comment ça s'est passé? Merveilleux. Mon fils, c'est très merveilleux. Tout s'est bien passé comme on l'espérait. Elle n'a aucune autre option que d'être d'accord avec nous. Hein? Bien que Ichie Okuono et son groupe essayaient de la persuader à attendre le retour du prince Lawrence. Étant une femme sage, elle a rejeté leur idée et épousé la nôtre. Alors, quand est-ce que le couronnement aura lieu? Dans 2 semaines. Là, tout aura été déjà mis en place. Jude, je crois qu'en ce moment, Jude pense qu'il a gagné. Qu'il attende. Une fois que je termine avec le couronnement, je vais le poursuivre. Fils, même le sang de ces jeunes qui étaient morts le jour-là, ils vont l'abattre. Oui. Les jeunes vont l'abattre et il ne pourra plus se retrouver. Je crois ça. Oh oui. J'ai été silencieux pendant trop longtemps. Et comme il pense que j'ai peur de lui, je vais le surprendre. Je vais le surprendre. Désolée, je devais être là pour te consoler. Désolée, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'étais à Lagos lorsque j'avais appris la nouvelle, tu vois. J'étais allée à un rendez-vous que tu connais. Alors dis-moi, comment est-ce que tu vas?
Je suis là. Je suis vraiment désolée. Nous sommes là. Nous sommes à la maison. Nous sommes à la maison. Waouh, mon prince. Vous avez une très jolie maison. Ouais, voilà la belle maison que mon père a construite. Waouh. Tellement grande. Laisse-moi prendre une vue. Oh ouais. Ouais, c'est comment? Non. Laisse ça. Laisse-moi prendre ça moi-même. Ok? Oh, laisse-le faire son travail, non? Non. Qu'il les porte. Laisse ça. Je peux prendre ça moi-même, d'accord? Ça va? Ouais, d'accord. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Je suis là. Je suis revenu. Je suis chez moi. Sa Majesté, j'espère qu'elle va bien. Comment est-ce possible? Comment ça va aller pendant que nous sommes en voie de tout perdre? Ma chère, tout alors. Juste parce que mon frère, l'héritier du trône, est perdu dans une terre étrangère. Dis-moi, comment ça pourrait aller? C'est bon, ça va passer. Laurence! Ai-je entendu quelqu'un dire que je t'ai perdu sur la terre étrangère? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu attendais la mort de maman pour revenir? Bien, j'étais occupé par les activités et beaucoup de choses, c'est pourquoi. Laurence, tu n'as rien à m'expliquer. Elle est en colère. Je le sais. Où est ma mère? Elle doit être au jardin. J'arrive. D'accord, frère. Servante? Je suis fatiguée. Servante! Oui, maman. Prends ses affaires, mets ça là-bas à l'intérieur.
Regardez ma mère, regardez ma mère. Laurence? Mère, c'est moi, tu m'as manqué. Comment a été ton vol? Bien, mon vol était splendide. Pourquoi tu fais comme si tu n'es pas content de me voir, maman? Sois le bienvenu. Est-ce que tout va bien? Les anciens sont dans la chambre du réunion. Ils sont en train de parler du prochain couronnement. Discutons le prochain couronnement. Quel couronnement? Où est le père? Hé, tu vas où? Attendez, j'arrive. J'ai quelque chose à régler. Laurence, peux-je avoir quelque chose à boire? Bien sûr. Nous avons les jus, les vins et les whisky. Qu'est-ce que tu veux? Je pense que je prendrai le whisky. Ok. Tu peux te servir toi-même. Trop bien. Mes chers anciens, tout ce dont on a besoin pour introniser Chibozo comme roi est là. Et comme vous le savez tous, le mercredi a été choisi comme le jour de l'intronisation. La seule chose qui nous reste maintenant est l'arrivée de Kamalo, le prêtre en chef. Ah, il n'est pas au parfum de la date du couronnement. Oui, il est parfaitement au courant. Oui. Et je pense qu'il ne va pas nous déçu. Non, jamais. Je crois que ça tourne à autre chose, s'il vous plaît. Ce n'est pas drôle. Je dois être sûr de tous les détails. Je ne veux pas du tout d'histoire. Je veux que tout se passe bien. Hein? Que je sois couronné roi. Et ce royaume sera en joie. Ah, cela me rappelle. Je veux savoir le genre de musicien que vous avez invité pour le couronnement. Ouais, j'ai besoin d'une qualité supérieure. Tu sais ce que je t'ai dit, père, quand j'étais à Lagos. Mes amis, mes partenaires d'affaires viendront de tous les coins du monde. Donc, j'ai besoin de vrais musiciens, pas de ces trucs du village. Hein? Tu as dit ça, mon fils. Mais nous avons aussi des meilleurs musiciens dans la région. Les préférés de Oumoukwa, Oguinewa Nyocha, Izuku, le grand magicien. Le grand magicien. Ils vont tous produire lors du couronnement. Ok, on aura aussi certains jeunes et... certaines jeunes filles qui ambianceront plus l'événement. Sinon, je veux que tout soit bien organisé. Je suis désolé, voyons. Ça ne sera pas nécessaire. Arrêtez le complot. C'est plus nécessaire. Je suis revenu. Mes chers anciens, tout ce dont on a besoin pour introniser Chibozo comme roi est là. Et comme vous le savez tous, le mercredi a été choisi comme le jour de l'intronisation. La seule chose qui nous reste maintenant est l'arrivée de Kamalo, le prêtre en chef. Ah, il n'est pas au parfum de la date du couronnement. Oui, il est parfaitement au courant. Oui. Et je pense qu'il ne va pas nous déçu. Non, jamais. Je crois que ça tourne à autre chose. Hein. S'il vous plaît. Ce n'est pas drôle. Je dois être sûr de tous les détails. Je ne veux pas du tout d'histoire. Je veux que tout se passe bien. Hein. Que je sois couronné roi. Et ce royaume sera en joie. Ah, cela me rappelle. Je veux savoir le genre de musicien que vous avez invité pour le couronnement. Ouais, j'ai besoin d'une qualité supérieure. Tu sais ce que je t'ai dit, père, quand j'étais à Lagos. Mes amis, mes partenaires d'affaires viendront de tous les coins du monde. Donc, j'ai besoin de vrais musiciens, pas de ces trucs du village. Hein? Tu as dit ça, mon fils. Mais nous avons aussi des meilleurs musiciens dans la région. Les préférés de Oumoukwa, Oguinewa Nyocha, Izuku, le grand magicien. Le grand magicien. Ils vont tous produire lors du couronnement. Ok, on aura aussi certains jeunes et...
certaines jeunes filles qui ambianceront plus l'événement. Sinon, je veux que tout soit bien organisé. Je suis désolé, ça ne sera pas nécessaire. Arrêtez le complot. C'est plus nécessaire. C'est revenu. Juste un mois. Merci, heureusement, ça fait juste un mois que mon père est mort. Ça fait juste un mois que mon père est mort, mère. Et tu soutiens déjà ces hommes à couronner mon frère cousin Chibuzo comme roi. Florence, veux-tu la fermer? Tais-toi! Vraiment? Ferme-la. C'est tout ce que tu as à dire, mère. Ferme-la. À quoi est-ce que tu t'attendais? À quoi est-ce que tu t'attendais? Le peuple avait besoin d'un roi et tu étais introuvable. Alors Chibuzo était disponible. Quand les désirés est indisponible, les disponibles deviennent les désirés. Est-ce que tu l'écoutes? Donc pour cette raison, ils vont prendre ce qu'il m'appartient et le donner à une autre personne. Lorenz, arrête. Non, sérieusement, arrête. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quand père était mourant, j'étais appelée. J'étais suppliée de rentrer. Et tu avais refusé. Maintenant qu'il est mort, 3 semaines après sa mort. Te voilà, cherchant ainsi qui blâmer pour ton incapacité. S'il te plaît. Bien. Même si j'essaie de m'expliquer d'ici jusqu'à demain, vous n'allez pas comprendre. Mais très bientôt, vous allez comprendre. Copain, allons prendre un peu d'air. Amara, hein? Hein? Pourquoi tu m'as caché cela? Non, ne me demande pas de me calmer. Je ne suis pas content. Pourquoi tu ne m'as pas dit que Prince Lawrence rentre? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mais comment j'allais le savoir? Hein? Personne ne le savait, même pas la reine ou soit la princesse. Hein? Nous l'avions juste vu descendre majestueusement de sa voiture avec son ami. Comment j'allais le savoir? S'il te plaît, je dois te laisser. Comment j'étais censé le savoir? Hey. Oh, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi en ce moment? Hein? Pourquoi en ce moment? Pourquoi en ce moment où je suis à un pas de devenir roi? Pourquoi? Pourquoi ce stupide garçon est de retour? Pourquoi? Fils, calme-toi. Tu peux être toujours roi. Ne te décourage pas. Quand bien même le prince Lawrence est revenu, tu peux être toujours roi. Hein? Mais de quoi parles-tu, père? De quoi parles-tu? On a déjà menti aux gens que Prince Lawrence est un drogué. Le gars que tu as vu aujourd'hui a l'air de quelqu'un qui est drogué. C'est évident qu'il va bien. En voyant sa réaction. Et il est censé être l'héritier du trône, le vrai. Alors, où est-ce que moi je me situe? Fils, ces anciens ont déjà dépensé ton argent. Ouais, l'argent qu'ils ne seront jamais capables de retourner. Et ces anciens sont les mêmes personnes qui doivent te couronner roi. Donc détends-toi et sois à l'aise. Tu as toutes les opportunités de devenir le roi. Ouais. On verra bien. Mon cher, si j'ai bien compris, tu veux succéder à ton père. Et il y a une autre personne qui s'intéresse au trône, n'est-ce pas? Et le pire est que ma mère croise les bras et regarde quelqu'un prendre ce qui m'appartient de droit. Vraiment, ça n'a pas de sens. Regarde. Un autre homme est en train de prendre ma gloire et ma mère ne dit rien à ce sujet. Écoute, laisse-moi te dire une chose. C'est toi qui as les derniers mots. C'est ta volonté qui sera faite. Si tu dis non, alors ça sera non. Personne ne peut te ravir ton héritage. Personne. Tu es le pédale. As-tu oublié? Pédale. Définitivement.
personne ne peut jamais me priver de ce qui m'appartient. Pédale, je te crois. C'est ton droit. Alors le jeu vient juste de commencer, donc je suis prêt à jouer ce jeu. Je te fais confiance. Pédale. Ma princesse. D'où viens-tu? Je t'ai cherché partout, mais je t'ai pas trouvé. Laisse-moi me répéter. Dis-moi, d'où viens-tu? Je suis désolée, ma princesse. On m'avait informé que ma sœur Neka, son enfant unique, était malade. Alors j'étais obligée d'aller le voir. Il est très malade, ma princesse. Oh, désolée. Laisse tomber, dis-moi, comment ils vont maintenant? Je ne sais vraiment pas, parce que j'ai laissé le docteur en train de le traiter. Oh, excuse-moi. Ma princesse, je crois que je dois aller à l'intérieur. Voulez-vous que je vous aide avec quelque chose? Non, pas du tout. Tu peux t'en aller. Merci beaucoup, ma princesse. Ok. Fais-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. T'inquiète, ça va aller. C'est dommage que Prince Lawrence est de retour 2 jours avant mon couronnement. Alors, que pensez-vous? Chibuzo, on n'y peut rien. L'héritier valable du trône est de retour. Il a énormément les droits de succéder à son père. Ok, tu as raison. Tu as raison. Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler que j'ai dépensé beaucoup pour vous. Juste pour que vous me souteniez dans mon projet de devenir roi. En fait, je me rappelle du montant total. 800 000 naira. Donc, si vous pouvez me les retourner demain très tôt le matin, je vais me retirer et tuer ce rêve de devenir roi. Le même message va à Negenomtje. Negenomtje, Negenomtje. Le même message va à vous trois. Écoutez. Retournez-moi mon argent demain matin. Je dois avoir mon argent demain matin à la première heure. Retournez-moi tout ce que je vous ai donné. Chaque centime. Et je vais me retirer. Et Prince Lawrence deviendra roi. Mbano Chibozo, il ne faut pas qu'on en arrive là. N'est-ce pas les anciens? Oui. C'est toi que nous connaissons tous. À part ça, il y a un grand manque de considération et de respect de la part de Prince Lawrence concernant le trône. Tu vas être notre roi. Et Chendo, tu as totalement raison. Voyez-vous, Nietzsche, on dit toujours que le démon que tu connais est mieux qu'un ange que tu ignores. D'ailleurs, si Prince Lawrence avait une considération pour le trône, il devrait être ici depuis longtemps avant que son père ne meure. Alors de quoi parlons-nous? Asingora aya kasigoya. Chibuzo est la réponse. Chibuzo aya kasigoya. Bam. Aya kasigoya. Itiobre. Aya kasigoya. Itiopo. Dois-je me retirer demain matin? Ah non. Non. Ichi awam a raison. Prince Lawrence n'a pas de respect pour le trône. Et voilà. Il ne peut pas être roi. C'est toi qu'on connaît. Ça, c'est clair. Tu devrais y penser, Chibuzo. Il a totalement raison. Ce prince n'a aucun respect pour le trône. Asingo naya katigoya. Aya katigoya. Chibuzo, tu seras notre roi. Chibuzo, c'est toi et personne d'autre. Chima. Ah, Nansu. Tu es en train de balayer? Ouais, oh. Comment va tout le monde? Ah, tout le monde va bien, seulement que je suis seul à la maison. Chima, sais-tu vraiment que les dieux savent comment protéger les leurs? Qu'est-ce que tu veux dire? Le prince Lorrain s'est rentré 2 jours avant le couronnement pour prendre ce qui lui revient de droit. Nansu.
pourquoi t'intéresses-tu en le fait que Lorenz s'asseye sur ce trône comme un roi, alors qu'il ne fait aucune preuve de sérieux envers le trône? Qu'est-ce que tu veux dire par du sérieux, hein? Mais pourquoi? Le défunt roi était son père, et il est le fils unique. Qu'est-ce que tu attends de lui? Hein? Non, laisse-moi te poser une question. Pourquoi tu ne veux pas que Chibuzo, le fils d'Onowu, devienne le roi? Très simple. Okay, très simple. Vas-y. Tu vois, le trône de ce royaume d'Abanike n'est pas quelque chose que quelqu'un peut utiliser comme dans la politique. Hein? Pour faire la campagne sur un trône qui n'est pas sien. Et beaucoup de nos jeunes ont perdu leur vie ce jour-là. N'est-ce pas un signe que les dieux l'ont rejeté? En tout cas, je dois avouer que tu as prouvé un point là-bas. Mais sais-tu que jusqu'à présent, rien n'a été encore fait au sujet du massacre? Non, le sais-tu? Ça, c'est un sujet pour un autre jour. Ok, non. Ouais, et c'est tu ça. Es ici disant du n'importe quoi. Oh, tu m'arrêtes tout ça. J'ai très faim, mec. Hein? Ah, comment tu le vois? Je suis en train de balayer. C'est après le balayage que j'irai faire la cuisine. Jude, le fait de n'avoir rien dit concernant cela ne veut pas forcément dire qu'il a oublié. Toi et moi savons très bien qu'il sait que c'était toi qui l'avais attaqué et massacré tous ces jeunes. Ah. Oui. Mais chérie, je crois que tu étais d'accord avec moi d'aller faire la paix avec lui. Oh non. Ça, ce n'est pas la chose qu'il faut faire. Mon expérience dans la politique, j'ai appris que garder un ami dans les moments difficiles, dans des circonstances pareilles, est plus que toutes les sortes d'amitié que tu peux avoir. Le prince Lorenz est de retour pour reprendre le trône de son père. Et toi et moi savons très bien qu'il ne peut pas reculer là-dessus. Fais quelque chose. C'est le moment de lui montrer l'amour. Donne-lui un soutien de solidarité. Un soutien de solidarité. Mais ça ne doit pas être maintenant. Oui. Trouve ce moment. Trouve ce moment. Sauve-le. Et montre-lui la considération. Ok? Chérie. Je n'aime pas ce que tu veux faire là. S'il te plaît, je t'en prie. Va faire la paix avec lui. Ça ne va rien faire. Ça ne va même pas te changer. Tel que je l'ai dit, pas maintenant. Trouve ce moment, ok? Trouve ce moment. Oui, frérot. Salut, tu m'as demandé. Oh oui. Tout d'abord, je veux m'excuser d'avoir essayé de prendre ton trône. J'aurais dû attendre les aînés de te consulter d'abord avant de prendre une telle décision. Désolé. Ça va. Excuse acceptée. Je veux dire, le pouvoir est si doux. Seuls quelques hommes ayant de grands esprits peuvent le rejeter lorsqu'il est présenté au nez. Donc je comprends. Je vais toujours être roi. Je suis allé trop loin. J'ai pris beaucoup d'engagements. Je ne peux plus retourner en arrière. Bien, ce sont tes engagements et non miens. Tu ne peux pas être roi. Tu n'es jamais destiné à être roi. Donc enlève cette pensée de ta grosse tête. Cousin? Je vais te payer pour ça. N'ose pas t'asseoir devant moi pour insulter le trône de mon feu père. L'ancien trône du royaume d'Abamike. Et non celui de ton père. Je te donnerai 10 millions de naira pour te retirer en ma faveur. Ah, vraiment, toi là. Je te donnerai 10 millions de naira pour que ya. Est-ce à tel point que tu es pauvre? Hein? Qu'est-ce que 10 millions de naira peut acheter? Est-ce que 10 millions de naira peut acheter mon bracelet? Non, regarde ça. Ça peut l'acheter? Est-ce que 10 millions de naira peut acheter mon collier? Non, qu'est-ce que 10 millions de naira peut acheter pour la cause de Dieu? Peut-être un jouet moins cher? Ça peut même m'acheter un paire de chaussures? Hein? Et tu oses me dire... Maintenant, écoute. Tu vois, je suis une personne très gentille.
Je sais que d'une manière ou d'une autre, tu aurais dépensé de l'argent sur ces stupides anciens qui te soutiennent. Pour cette raison, je vais te donner 50 millions de naira pour couvrir tes pertes. Mais je te conseillerais, enlève ce rêve. Ce rêve de chien de ta pensée. Je te dis, ce coup que vous êtes en train de planifier ne va jamais réussir. Mon conseil. Jamais. Fallait voir. Hmm? Tu aurais dû voir comment Chibozo était audacieux et très sûr de lui-même. Tu connais aussi mon frère, non? Il était bien préparé. Hein? Tu veux dire Laurence le naïf de l'autre fois? Alors ça, c'est une surprise. Mon Dieu. Il fallait voir la façon dont il a confronté Chibozo. Hein? J'aurais souhaité que papa soit en vie pour voir l'homme qu'il est devenu. Il serait tellement fier de lui. Il l'est! Crois-moi. Crois-moi lorsque je te dis que Laurence a appris cette confidence chez lui. Et aussi sa façon. Il est devenu aussi très beau. N'importe quelle fille peut se tuer pour lui. Mais tu sais que vous avez toujours été des amis. Avant même son voyage, vous pouvez rester toujours unie. Qu'est-ce que tu veux dire? Même si tu ne me le dis pas, je pouvais voir comment tu le regardais ce jour-là, pendant qu'il buvait avec ses amis. Oh mon Dieu, c'est vrai? Bien sûr que oui. Oh. Jane, tu es mon amie. Crois-moi, je t'aime beaucoup. En ce qui me concerne, je peux te recommander à lui, à n'importe quel moment, n'importe quel jour. Oh, merci énormément. Merci. De rien. Oh, je suis très contente. Oh. Votre Majesté, tout le respect vous revient. Malgré que le prince Laurence est de retour au palais, nous, les conseils des anciens, avons décidé de porter notre choix sur Chibozo. Exactement. Et non un prince alcoolique qui a même refusé de revenir prendre soin de son père mourant. Exactement. Exactement. Votre Majesté, il est dit qu'à partir de l'odeur d'une nourriture, tu peux déjà savoir s'il s'agit de quoi. Et le comportement de notre prince n'est pas le comportement d'un roi. Prince Laurence a échoué dans son devoir de prendre soin de son père mourant. Alors comment, dites-moi, comment un homme pareil pourra prendre soin de ce grand royaume? C'est pas possible. Non, mais c'est quoi ça? Onyezo Kokoya. Mais c'est quoi ton problème? Quel est votre problème exactement? Tout le monde a le droit de parler ici, ok? Tout le monde est libre. Votre Majesté, nous devons assurer le bon sens dans ce royaume. C'est de ça qu'il s'agit. Parle au prince Laurence. Fais-le démissionner pour le choix du peuple. Oh non, ça ne va pas arriver. Pas dans ce royaume. Ça n'arrivera pas. Regarde, regarde. Ça n'arrivera pas. Ichi, est-ce que tu écoutes ce qu'il est en train de dire? Ce que vous racontez n'a pas de sens. Le choix des humains n'est pas pareil avec celui des dieux. Les dieux n'ont jamais choisi Chibozo comme le leur. L'héritier valable du trône est de retour, alors on doit le couronner. Ça ne peut jamais arriver. Ça ne peut jamais arriver. Chibozo, mon fils, est le choix du peuple. Oui. Alors il doit s'asseoir sur ce oui. trône. Bon, c'est lui notre choix, rien d'autre. Ike, mais Ike, tu dis? C'est lui notre choix. Vous vous agitez? C'est lui qu'on a choisi. Il faut On verra parler. Alors. Il faut lui parler. On verra lire. Alors. Le coq porte une couronne d'ignorance. Et dans sa folie, il veut défier le faucon pour un combat. Oh non. Tu es en train de tenter les dieux. C'est toi plutôt qui veux tromper les gens. Exactement. Oui, oui. Oui. Comment pouvez-vous vous jouer de nous ainsi? Franchement. C'est lui notre nom et c'est à lui de décider. C'est Chibozo
ou personne. Qui est tout pour le déclarer? Vous l'aimez ou pas? Vous deux là, dites-moi, c'est quoi votre problème, vous deux là? C'est quoi votre problème? C'est quoi ton problème? Vous l'aimez ou pas? Le choix est déjà fait. Ça ne va jamais arriver dans ce royaume. Le choix est déjà fait. Le choix est déjà fait. N'importe quoi, c'est quoi ça? Ichie. Mm-hmm. Ichie Igbogu. Kambu Kerina Bogua. Si Kamalu insiste de couronner Chibuzo roi. Ndiche. Nous n'avons pas d'autre choix que de chercher une autre personne de venir couronner le roi. Exactement. Exactement. Ou bien ce n'est pas ça. Tu vois, Ichie Bobo. Il faudra plus que Kamalo pour nous empêcher de couronner ton fils roi de ces royaumes. Écoute, si les choses tournent très mal, nous allons inviter un autre grand prêtre. Hein? Et il fera le boulot. Voilà, c'est la meilleure option. Si quelqu'un fait semblant de mourir, vous faites semblant de l'enterrer. Mes camarades anciens, je vous remercie tous. Je suis très 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 content. Je vous promets, quand tout ceci sera fini, vous serez tous grandement récompensés. Ouais. Ichi, avec de l'argent, on trouvera la personne qui nous fera ce travail. Okimbe fera tout ce que tu lui demanderas de faire. Juste un peu d'argent. Avec l'argent, on l'aura. Exactement. Je suis parfaitement d'accord avec Ejike. Okimbe est l'homme parfait pour l'intronisation. Il n'est pas seulement l'homme parfait pour l'intronisation, mais il est aussi un grand féticheur. Il fera parfaitement son travail pour introniser Chibuzo comme roi. Ben. Qu'attendons-nous encore? Envoyons-le chercher. Ok, regardez, je vais vous donner de l'argent pour l'inviter. Le couronnement doit avoir lieu demain. Akatigo. Akatidemia. Akatigomia. Tout sera bien fait, ne t'inquiète pas. Asimna Akatigomia. Salut, Prince Laurence. Salut, c'est comment? Oui, ça Jeanne. Va. Je suis très contente. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis chez les mécaniciens pour une petite réparation. Oh, ouais. Je vois. Alors, pourquoi tu es seule? Pourquoi n'es-tu pas avec le garde? Oh non, il n'y a rien. Je suis juste en train de me promener avec mon garçon pour contempler le paysage. Il n'y a rien de grave. Mais tu sais que c'est très dangereux. C'est tout à cause de ce que tu es avec ton cousin. Les enfants s'amusent. Sinon, ça, c'est rien. T'inquiète, ça, c'est rien.
Wankem, as-tu renoncé à ton rêve de devenir roi? Es-tu ivre ou drogué? Si tu penses que mon pote va te laisser le trône, tu es en train de commettre une grosse erreur. Tu ferais mieux de bien penser. Oui. Lorenz, je vais devenir roi. Que ça te plaise ou pas. Je t'ai déjà averti, n'ose pas me défier. Quelle heure est-il au juste? Prince Lawrence, qu'est-ce que tu penses de ce que ton frère vient de dire? Il n'y a rien du tout. Chibozo est juste en train d'aboyer comme un chien. Il ne fera rien. Les enfants s'amusent. Okripoto. Okripoto. Me voici. Je suis Okembe, le fils de Ago Turumbe. C'est lui qui traverse plusieurs rivières sans pourtant se mouiller. Je suis venu pour une mission spéciale. Je suis venu couronner les choisis. Oh non. L'œil des dieux. Tu peux les couronner. Monsieur Quen. Monsieur Quen. Monsieur Quen. Monsieur Quen. Le jour est finalement arrivé. Cette grosse tête. Toi là. Tu es d'une tête si vide. Je te l'ai dit. Je t'ai dit que tu ne peux jamais être roi. Tu n'es pas apte à prendre ce qui est mien. Jamais. Même le gardien du palais, tu ne peux jamais être. Ce n'est plus du tout le temps pour les anciens. Ou le temps des mauviettes. Vous n'avez que 2 secondes. Que tout le monde s'en aille d'ici. Ah, abonzo. Hey. Chibozo, je t'avais dit, quand un enfant essaie de jouer l'adulte, tu vas se surestimer, mais seulement il va commettre beaucoup d'erreurs. Et voilà maintenant où tes erreurs t'ont amené. Bouge avant que je ne te brise la cervelle. J'ai dit bouge! On ne va jamais le permettre. Je t'avais dit, il ne peut avoir ce trône que si tu le décides. Si tu dis non, il ne l'aura jamais. Pédale. Je te fais confiance. Pédale. Mais tout ceci ne serait pas arrivé si tu avais tes propres gardes avec toi. Souviens-toi, je t'avais demandé de me permettre d'aller avec toi. Écoute, fils. Écoute. Lorenz a tiré le premier la ligne du combat. Et voici le temps de lui donner la pièce de sa monnaie telle qu'il nous l'a fait. Parce que quand la tortue pense que sa peau est trop forte, la tortue la vit dans une grande illusion. Il faut juste que la peau lui soit enlevée. Il reconnaîtra sa place dans sa vie. Fils, trouve un renfort. Tu dois t'asseoir sur ce trône.
Kachi. Me voici. Va chercher les gars. Il est temps de payer ce bâtard ce qu'il mérite. Entendu, boss. Fils, tu ne vas pas le confronter. Les gens ne vont pas l'aimer. Allons-y avec prudence. Peu importe. Salut, Prince Laurence. Désolé, j'ai raté tes appels. Je n'étais pas avec mon téléphone quand tu avais appelé. J'ai appris ce qui s'est passé au palais. Alors, je voulais t'encourager. Chibuzo est un profiteur. Il ne peut jamais me faire du mal. Tu as cette grande confiance en toi. Mais tu dois beaucoup faire attention. Bien sûr, bien sûr. Merci de t'en soucier en tout cas. Je dois partir maintenant. Je ne comprends pas. Tu veux me dire que cette conversation te dérange? Allô? Allô? N'importe quoi. Dieu, salut. Salut, votre S'il te plaît, majesté. Aimerais que je te prenne quelques vues. Je promets que je ne vais pas prendre trop de temps. Juste une oui, vue. Oui, votre majesté. Tu vas certainement l'aimer, votre majesté. Viens, viens, viens un peu. Merci, ça c'est bien. Bonne position. Allons-y. Maintenant, viens. Une autre position. Comme ça. Oui, comme ça, ouais. J'avais une joie sans limite quand j'ai appris que le prince Lawrence avait interrompu l'intronisation. Ok. Sais-tu... C'est maintenant que je vois la vérité dans ce que tu disais. Oh. Parce que Kamalu, le grand prêtre, avait rejeté Chibuzo pour qu'il devienne roi. Sais-tu ce que cela veut dire? Ils l'ont mis à côté et ils sont allés chercher Okende pour officier l'intronisation. Hey! Exactement. Exactement. Chibuzo ne peut pas être notre roi. Il ne mérite pas d'être notre roi. Quant à moi, peu importe qui s'assoit sur le trône. Parce que ça ne va mettre aucune différence. Vous savez pourquoi? Ils sont tous les mêmes. Oh ouais. Tu vois, c'est ça le problème avec notre pays. Quand il est le temps des élections, ils ne sortent pas pour aller voter celui qu'ils veulent. Et quand le gouvernement va commencer à faire ce que bon lui semble, ils vont se retourner et donner tout le blâme au gouvernement. Hein? Pourquoi tu les blâmes? Es-tu sorti pour voter? Non, So. Ceci est entièrement différent. Ceci est entièrement différent. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Même si tu vas pour voter, ton vote peut ne pas être finalement compté. Alors, je me demande... Pourquoi perdre mon temps pour aller voter, sachant que mon vote ne sera pas compté? C'est mieux de rester à la maison et me reposer. Tu peux avoir raison. Il faut quand même voter. L'important est de voter d'abord. Man, c'est pas facile, hein? Tu aimes bien nous parler ainsi. Donc c'est toi l'exemple parfait ici. Mon prince, ne vous inquiétez pas. Elle est maintenant stable. Êtes-vous sûr? Oui, mon prince.
Ok. Donc, s'il y a un problème, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'appeler au téléphone. Vous pouvez même envoyer quelqu'un au palais. D'accord, mon prince. Ok, bien. Merci. Je suis très désolé, très très désolé. Frérot, je pense que les jours à venir ne seront pas tranquilles pour toi. Quelqu'un a essayé de te descendre. Bon, ça sera comme d'hab parce qu'on contrôle les jours et la nuit. Tu dois te préparer. Connais-tu chez Chibuzo? Oui. Très bien, vite amène-moi là-bas. Lawrence! Il est où? Chibuzo! 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 Tu as finalement montré à quel point tu es désespéré à t'asseoir sur le trône de mon père. Mais je ne vais jamais te le permettre. Ce sera sur mon cadavre. Si quelque chose arrive à cette fille, je jure par le cadavre de mon père, je viendrai pour toi. Pas seulement toi, mais aussi tout ton entourage. Même ce pauvre rat ne pourra pas te sauver de ce qui te frappera. De quoi parles-tu au juste? Oh, vas-tu te taire? Je crois que tu m'as bien entendu. Si quelque chose lui arrive, à bon entendeur, salut. Quelle fille parlait-il? Qu'est-ce que tu as fait que je t'ai défendu de faire? Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas de quoi il parle. Elle fut attaquée aujourd'hui par un homme armé. Boss, tout ça a l'air très étrange. Oh. Lui et son ami ont essayé de s'échapper. Mais la fille qui était avec eux s'est fait tirer dessus. Donc je crois qu'il pense que c'est vous qui avez ordonné cela. Je n'ai commandité aucune attaque. Et je ne peux pas le faire sans t'informer, tu le sais. Oui, je sais. Si ce n'était pas toi, alors qu'il a fait?
Non, viens t'asseoir, non? Ah. Dois-je venir te prendre? T'es toujours comme ça. Mets-toi là-bas. Mets-toi. Tu sais quoi, bébé? Ça me fait du bien. Ça te fait du bien? Tu sais, j'ai envie du massage. Oui, j'en ai envie. Regarde, il bouge. Sérieux? Vraiment? C'est comme si ce sont des jumeaux. Des jumeaux? Garçon, non, garçon. Non, non, non. Non, non, non. Juste un. Un seul garçon. Oui. Un garçon. Un garçon très fort. Un garçon très fort. C'est toujours comme ça. C'est un garçon. Quelle ça fille? Ça sera alors une fille. C'est un garçon. Regarde ses pieds. Regarde ses pieds. C'est un garçon. Prends de quoi? Tu es enceinte. Je te donne. Chérie, attends. Donne-moi un peu. Ok? Arrête ce que tu fais là. Tu peux causer du tort à mon fils. Akachi, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je veux que tu cherches à savoir qui essaie de tuer le prince. Cherche-moi cette information avant la fin de la journée. Qui que soit cette personne, elle ne sera pas épargnée. Si quelqu'un doit tuer le prince, cette personne doit être moi, pour toutes les insultes que j'ai reçues de lui. Donc, cherchez à connaître cette personne et fais-moi savoir avant la fin de la journée. L'une des choses qui avait tué ton père était le regret. Il regrettait de t'avoir envoyé à l'étranger pour étudier. Il était déjà très malade quand il avait appris à propos de ton addiction à la drogue. Il était très abattu. La nouvelle avait brisé ton père ainsi que moi. Et pour ça, on essayait de t'atteindre, mais sans succès. Tu veux dire qu'on vous a dit que je suis un toxicomane? Oui. Et je suis sûre que tout le monde dans ce royaume est au courant. Et cela pourrait être la raison pour laquelle ils ont choisi Chibuzo comme roi. Mon fils, s'il te plaît, tu sais que Chibuzo et son père sont très dangereux. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. S'il te plaît, je veux que tu puisses leur laisser le trône. Ta vie est plus importante à mes yeux que ce trône. Je t'en prie, mon fils. Je te demande de rester en vie pour moi. S'il te plaît. Bien sûr, mère, je vais demeurer vivant et rien ne va m'arriver. Même devant Dieu, je pense que c'est ce qui importe. Quant à ce qui concerne la rupture de communication, je te l'avais dit avant, ce n'était pas de mon pouvoir de faire ça. D'accord? J'avais obtenu ce contrat, un contrat offshore. Ok? Tu sais comment ça se passe en offshore, c'est-à-dire pas de communication, il n'y a rien, c'est ça. C'est ce qui s'était passé. Ce n'était pas de ma volonté. Donc, ce que fait Chibuzo, il est clair qu'il ne fait que se tromper lui-même. Parce que le trône de mon père ne va jamais quitter cette maison. C'est mon droit d'aînesse. Donc, il ne fait que se tromper lui-même. Il ne va jamais sentir l'odeur du trône. Je ne vais pas le laisser faire ça. Je ne vais jamais le laisser faire ça. Mon fils, s'il te plaît, tu sais comment ils sont méchants. Tu sais comment Chibuzo et son père sont cruels. Donne-leur le trône. Je ne veux pas que tu meures. Tu es tout ce que j'ai. Mère, je resterai vivant. Mon fils. Écoute, écoute, écoute. Mère, tu n'as rien à t'inquiéter. Ne panique pas. Sois forte. Il n'y a rien à s'inquiéter. Boss, celui-ci est l'un des gangsters qui était parti pour l'opération. Parle maintenant. Dis la vérité. Dis-lui qui t'avait envoyé pour tuer le prince. Je te le demande une fois. S'il refuse de parler à Kaji, il faut l'abattre à mort. Dis la vérité. S'il vous plaît, ne me tuez pas. C'est Chief Jude qui m'a envoyé. Chief Jude. Amène-le. Allez, bouge. Bouge.
pardonné une fois, je ne te pardonnerai plus jamais. Ouais, c'est oui, comment? Ça va. Où est-ce que tu vas? Bien, je sors un peu, ça ne te concerne pas. Tu vas bien, j'espère. Vite. Est-ce que je peux venir avec vous? Ma sœur est à l'intérieur. Tu peux aller la rejoindre. Il ne voit pas tous ses corps ici. Mon prince, elle va mieux. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Maintenant, va-t-elle encore prendre des piqûres? Non, c'est juste qu'elle doit se reposer. Ok. Bon, un moment. Ok, c'est bon. Allô? Ouais, tout va bien? Non, je suis toujours là, je suis toujours à l'hôpital. Ok, d'accord, pas de problème. D'accord. Non, reste couché. Tu n'as pas besoin de te stresser. Je suis là pour toi, ok? T'inquiète. Je ferai tout ce qui est de mon mieux pour assurer que tu recouvres ta santé. Ok? Merci. De rien. Gare, attendez. Écoutez, Gare, je ne sais pas ce que devient notre royaume. Écoutez, tout d'abord, le prince Lorenz a été attaqué. Et deuxièmement, c'est Chidera qui a été tiré dessus. Maintenant, qu'est-ce que cela a à voir avec Chief Jude, qu'il a été attaqué avec sa femme enceinte? Hey, j'ai appris que sa femme était tuée durant les coups de feu. Oh. Hey, ok. Donc on a tué cette femme-là avec son bébé. Aïe, ça c'est très mauvais. Hey,
Vous savez, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai vraiment eu la chair des poules, je vous dis. Mais attendez, sérieusement, qu'est-ce qui se passe dans ces royaumes? Si je peux vous demander. Est-ce que je peux répondre à cette question? Je ne sais pas. Alors, nous sommes plus en sécurité. Oui, nous ne sommes plus en sécurité. Écoutez, les gars, je dois aller rentrer à temps. Moi, je n'ai pas peur de ce qui se passe. Moi, je vais là où je vais. Mec, c'est juste qu'on doit être très... D'ailleurs, je l'avais dit avant. Je l'avais dit. Mesdames, je vous salue. Nous te saluons aussi. Vous savez, on ne peut plus rester calme. On ne peut plus rester silencieuse. Pendant que le fils de Ubogwe et le prince Lorenz continuent de se battre pour le trône en versant le sang de nos enfants. Hein? Combien seront morts jusqu'à la fin de leur combat? Tchalelo, nous ne devons pas blâmer le prince Lorenz pour ça. Parce que bien avant même son retour dans ce village, Chibuzo a versé le sang de beaucoup d'enfants et personne ne dit un mot. Oui. Je suis d'accord avec toi, O. Depuis que le prince Lorenz est revenu dans ce royaume, pour empêcher le couronnement, c'est maintenant une guerre qui s'est déclenchée. On rencontre les corps des gens étalés par-ci, par-là. Je suis d'accord avec vous. C'est la chose pour laquelle nous devons lutter. C'est pourquoi nous devons arrêter ça, hein? Nous devons trouver des moyens et des stratégies pour arrêter ces fléaux dans notre village. Bikonu. Les amis, mes chères dames, qu'est-ce que vous suggérez? Parce que nous avons besoin d'une solution. Je suggère qu'on aille voir les anciens. Nous devons savoir ce qu'ils comptent faire concernant la rivalité de Prince Lorenz et Chibuzo. Ok. C'est okay. À ça même que je suis c'est en train de dire. C'est une très bonne idée. Okay. C'est ça. On a besoin de solutions. Nous devons planifier une réunion avec les anciens et on saura ce qu'il faut faire. Exact. Bien dit. On doit y aller. Oui, tu as raison. Ichi et Chindu. Je pense que toi et tes partenaires sont à la base de ces désordres. Maintenant, les désordres sont partout dans ces royaumes. Les gens n'arrivent plus à fermer leurs yeux à cause de votre gourmandise à vouloir couronner la mauvaise personne comme roi de ces royaumes. Unu jitukwa anyi unu. O kenya na hanu nulo. Ewu amu onogbo. Combien de personnes sont déjà mortes depuis le début de cette bataille? Et combien doivent mourir avant que vous ne réalisiez que introniser Chibuzo est un mauvais choix? Mes chers anciens, un enfant placé sur les dos de sa mère ne peut pas se rendre compte de la distance qu'ils sont en train de parcourir. Aussi longtemps que cela prendra, Chibuzo sera le roi et il va s'asseoir sur ses trônes. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour changer cela. Chibuzo, Kangwake, Ichichinana Anonte, Nesozu, Bayana Lili. C'est seulement un fou qui peut confondre ses enfants et celui d'un autre. Toi et tes partenaires devraient aller chercher de l'eau pour éteindre ce feu que vous avez allumé ensemble. Ichi, laisse-moi te donner toujours ce respect. Quel respect? Écoute, un jour, si je me mets à chercher un membre de ma famille, je dis bien si un jour, j'ai cherché un membre de ma famille. Ce jour-là, tu verras que j'aurai la queue d'un tigre. Je viendrai vers toi personnellement. Et ce jour-là, la guerre ne sera plus seulement dans la famille royale, mais nous tous, nous y serons impliqués. Allons-en. Ichi Jindu, lorsqu'un homme ne sait pas reconnaître d'où il vient, il aura du mal à choisir une bonne route pour son avenir. Nanyonge Monge, allons-en. Ne perdons pas notre temps inutilement ici. On t'aurait dit. Tu as tout le temps pour y penser. On s'en va. Comment osez-vous venir dans ma maison pour proliférer des menaces? N'importe quoi. Votre Majesté, pourquoi vous passez tout votre temps ici? Au lieu de vous concentrer et chercher comment récupérer le trône. Reprendre mon trône n'est pas un problème. Oh oui, on ne se bat pas pour ce qui nous revient de droit. Les enfants s'amusent. Par ailleurs, je vois que tu vas maintenant mieux, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Qu'est-ce que tu fais ici?
Je suis venu voir la fille blessée. Tu es venu la voir ou tu es venu te moquer d'elle? Tu l'avais déjà presque tuée. Bien comme tu vois, elle va bien. D'accord, elle n'est pas morte, elle se porte mieux. Si c'est pour ça que tu es là, il est clair que tu as peur que tu allais venir pour toi. Mais elle va mieux. Lawrence, je ne t'ai pas attaqué. C'est pourquoi je suis ici. Te dire que je ne l'ai pas fait. Et voir si elle se porte très bien. Quelle connerie racontes-tu? Si tu ne m'as pas attaqué, qui l'a fait alors? Lawrence, je ne mens pas. Et je n'ai aucune raison de mentir. Si je t'ai attaqué, je te le dirai directement que je t'ai attaqué. Et je t'attaquerai encore. Mais je ne t'ai pas attaqué. D'accord? Crois-moi. Dieu merci qu'elle va beaucoup mieux. Et assure-toi de prendre soin d'elle. À plus. C'est difficile à croire. On doit les croire. Je vois, tu as tellement hâte de voir mon frère. Ça prend beaucoup de temps. Tu as tellement envie de le voir. Ton frère là ne me regarde même pas. J'ai tout essayé. Il ne me donne même pas un petit temps, vraiment. Ma princesse, s'il te plaît, aide-moi, parle avec lui. Au fait, cherche juste ce que tu peux lui dire. Tu sais ce que tu peux. Apparemment, c'est comme s'il n'est pas amoureux. Tu l'aimes? T'inquiète. Je vais parler avec lui à son retour. Tu vas le faire? Merci. Crois-moi, je lui en parlerai. Votre Majesté, le veuf de Umada vous salue. Une fois encore, c'est nous qui avons voulu avoir cette réunion. Nous n'arrivons plus à marcher librement dans la rue à cause de tous les troubles auxquels nous faisons face. Et tout ceci à cause du trône. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour savoir ce qui se passe. Soyez les bienvenus. Je vous remercie toutes pour votre implication. Mais je pense que cette question doit être posée à nos maris. Ils sont mieux placés pour nous parler de ce qui se passe dans notre royaume. Nos maris, vous nous avez écoutés. C'est quoi la réponse à cette question? Grandes et belles femmes de ce royaume, je vous salue. Il n'y a absolument rien du tout, à part le fait que le prince Lawrence doit abandonner les ambitions de devenir roi. Nous, les conseils des anciens, ne voulons pas de lui comme roi. Le peuple a choisi Uchibuzo et il n'y a rien du tout qu'on puisse faire là-dessus. Ichijendo, même les vautours, quand ils se mettent à consommer leur nourriture, ils prennent et avalent immédiatement, sans pour autant passer à l'autre. Parle pour toi-même. Et mon avis est que le prince Lawrence est l'héritier légitime du trône et c'est à lui que revient le trône. Ça devient sérieux. Ça devient vraiment sérieux. Le fait que vous n'avez pas les mêmes opinions sur qui va diriger. Après ce que je viens de voir, je crois que chacun d'eux doit nous prouver comment ils comptent diriger ces royaumes. Ils doivent nous les dire. Bien, je n'attends rien de moins de quelques personnes qui auraient déjà siphonné leur grand cerveau pour peu d'argent. Mais je demande, allons-nous faire ceci aux dépens du cadavre de mon père? C'est très simple. Une fois que je serai roi, ton père sera enterré. Oh, arrête de rêver. Arrête de rêver, Chibuzo. Tu ne vas jamais être le roi. Prince Lawrence, c'est vous qui avez causé tout cela. Vous n'êtes pas revenu au moment où on avait besoin de vous. Au fait, vous qui n'étiez pas en mesure de prendre soin de votre père. Et comment vous saurez diriger tout le royaume de Umbala? C'est ça. Je l'ai dit aussi. Petit frère, tu les as entendus. Les gens ne te veulent pas. Tu ne peux pas les forcer à t'accepter. C'est compréhensible. Tu ne peux pas t'imposer aux gens. Combien vous a-t-il payé? Non, dites-moi combien il vous a payé et je vous paierai le double. T'as pas besoin de payer. Est-ce qu'on a été payé? Non. Non, dites-le moi. Maman, s'il te plaît, je dois répondre à cet appel important, d'accord? Il n'est pas nécessaire de s'asseoir ici et discuter des choses inutiles.
Cet appel m'est plus important, s'il vous plaît. Il est parti? Vous voyez ça? Hein? Vous voyez ce que je dis? Dieu merci que je vous ai averti de cela. Un garçon qui peut abandonner les aînés en pleine réunion, très importante comme celle-ci, il ne peut être qu'un drogué. Quelqu'un qui fume chaque jour, quelqu'un qui injecte de la drogue chaque jour, il ne peut jamais être roi. Je le dis toujours, mais c'est comme je veux son mal. C'est que je veux le bonheur de mon peuple. Oui. Écoutez, Onyofuoko, Anyazako Akolo, ça c'est la vérité. Pour devenir roi, il faut avoir tout essence sur place. Ce garçon est un enfoiré. C'est un drogué. Il ne peut pas être un roi. Oui. Oui. Pourquoi certains gens ne comprennent pas? C'est ça. Ok. Je te saisis parfaitement. Tu vois, nous allons essayer de voir dans quelle mesure on peut... Prince Laurence! Ok, d'accord. Maintenant, regarde ce que nous allons faire. Hein. Je vais arriver là-bas et puis on va en parler, d'accord? T'inquiète, apaise-toi. Prends place. T'en fais pas, j'aurai le temps de parler avec lui. Maintenant, les voici. Montre un peu. Non, c'est pas vrai. Ça te plaît? Oui. Bien, j'aime le fait que le fond est naturel. Et c'était la première fois pour moi de mettre ça. Vraiment? Celle-ci est ma préférée en tout cas. Alors je me demande si tu peux être un peu plus patiente afin que je puisse te l'élargir et la rendre plus belle pour toi. Merci, je crois que tu peux faire avec ça. Oh, celle-ci. Oh, c'est ce que tu veux. D'accord, oui, pas de problème. Je vais travailler sur ça. Mon prince, je te salue. Comment vas-tu? Je vais bien, madame. Salut. Bonjour, sens-toi à l'aise. Oh, merci beaucoup. C'est maman. Maman. Oh mon Dieu. Celle-ci est ma préférée et je vais travailler sur ça, d'accord? Ok, et quand est-ce que j'aurai ça? Très bientôt. Je te promets, ça ne va pas tarder. Merci beaucoup. Je garde ça en attendant que tu me retournes l'autre. Merci. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut sortir aujourd'hui pour prendre encore d'autres vues? Mes enfants, le repas est prêt. Maman, je ne peux plus rien manger pour le moment parce que j'ai déjà mangé. Tu ne peux pas entrer ici sans manger. C'est juste une simple visite que je vous ai faite. Je ne m'attendais pas à une chose pareille. Que je puisse mettre ça sur le tabouret. Wow. Où es-tu allé? Pourquoi tu as quitté la réunion juste comme ça? Où est-ce que tu t'es dirigé? Tes actions ne reflètent aucun signe de leadership. Tu dois veiller sur tes actes. Qu'importe la personne qui t'avait appelé, tu aurais dû lui dire que tu avais une réunion très importante. Bien, maman, je suis désolé. D'accord? Je suis désolé si vous taxez mon action d'insultant. Mais la vérité est que, franchement, il n'est pas nécessaire de perdre son temps sur des choses inutiles. Parce que la discussion était inutile et je n'avais pas le temps à perdre sur ça. D'ailleurs, avec ou sans concurrence, je vais être couronné le roi. Un point, c'est tout. Allons, mère, ne me regarde pas comme ça. Tu dois réfléchir, s'il te plaît. Je ne sais pas.
Mais peu importe ce que c'est très important pour eux. Et tu ne dois pas les prendre pour acquis. Bien sûr. Je vais la surveiller. Oui, il faut faire très attention avec elle. Observe ses pas. Je pense que je dois boire quelque chose. Qui est là? J'ai besoin que tu me fasses une liste de toutes les familles qui ont été touchées depuis que tout ceci a commencé. Chacune d'entre elles. J'ai besoin de leurs détails. Et apporte-moi ça. Ne vous en faites pas. Vous les aurez dans 2 jours. Dans 2 jours? Oui. Qu'est-ce que tu es en train de planifier? Je planifie de gagner le trône. Pour gagner le trône? Ça, c'est une bonne idée. Mais comment? Relax. Tu le sauras bientôt. Odogwu, vous me cherchiez? Oh oui. J'ai besoin que tu me fasses une liste de toutes les familles qui ont été touchées depuis que tout ceci a commencé. Chacune d'entre elles. J'ai besoin de leurs détails. Et apporte-moi ça. Ne vous en faites pas. Vous les aurez dans 2 jours. Dans 2 jours? Oui. Qu'est-ce que tu es en train de planifier? Je planifie de gagner le trône. Gagner le trône? C'est une bonne idée. Mais comment? Relax. Tu le sauras bientôt. Chief Chibuzo, j'ai fini mon école secondaire et je n'ai pas d'argent pour aller à l'université. S'il vous plaît, aidez-moi, je vous en prie. Tu aimerais poursuivre tes études? Oui, monsieur. Ça, c'est très bien. Ok, qui d'autre? Chief, mais moi, j'ai fait des formations sur le commerce. J'ai fini ma formation, mais il n'y a pas d'argent pour faire le commerce. Oui, monsieur. Commerce confirmé. Oui, monsieur. Tu as appris quel genre du commerce? J'ai appris les business de pièces de rechange automobile. Les pièces détachées? Oui, monsieur. Tu es sûr que ce n'est pas du mensonge? Non, 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 monsieur. Tu ne mens pas? Ah, mbao. Parce que je ne veux pas mettre mon argent dans une affaire qui n'est pas propre. Non, c'est légitime. Es-tu sûr? Oui, monsieur. Qui d'autre? Chief Chibuzo, nous sommes venus chez vous pour que vous puissiez nous aider. Nous savons que vous avez un bon cœur. Alors, aidez-nous s'il vous plaît, monsieur. Pitié. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Non, monsieur. Non, monsieur. N'ayez pas peur de moi. Il faut me parler. Je suis votre parent. Non, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Ok, ok. Bien. C'est bien que vous êtes venu vers moi. Hein? J'aide toujours. Vous me connaissez. Je crois que Dieu m'a donné de l'argent afin que j'aide mon peuple. Vous n'avez rien à craindre. Tu iras à l'école. Ça, c'est sûr. Tu n'as pas besoin d'applaudir, ça va. Tu iras à l'école. Ah oui, tu continueras tes études. On va l'accorder une bourse d'études. Donc elle n'a rien à craindre, ok? Chief, 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 chief
Ça va, au moment où nous terminerons ici, donne-lui ton numéro et ton nom, ok? Pour qu'on te contacte. Je vais t'aider dans tes affaires. Merci, chérie. Merci. Merci beaucoup. Ça va, ça va. Vous êtes mon peuple. Je vais te donner assez d'argent afin que tu ouvres ta propre boutique, ok? Mets tout en place, acheter des marchandises et commencer. Ok? C'est 20 000 naira pour chacun d'entre vous ici. Faites bon usage de cet argent, ok? Je ne veux pas entendre dire que quelqu'un d'entre vous a pris cet argent pour aller fumer, par exemple. Merci. Et 10 000 naira pour les enfants pour acheter des biscuits. Je t'ai averti, Jude, mais tu n'as jamais entendu. Je t'ai averti, Joachim, je t'ai averti. Chibuzo, tu as tué ma femme et mon enfant à naître. Ouais. Tu vas le regretter. Je ne regretterai rien. Tais-toi, tu te prends pour qui? Tu es même chanceux que je me suis arrêté là. Si tu essaies encore, je vais décimer toute ta lignée. Les larmes que j'ai fait couler aujourd'hui, tu en auras une part. Tu la fermes, mon ami. N'essaie plus avec moi. Ne dis pas que je ne t'ai pas averti. Ne me défie plus. Chibuzo, tu verras de quel bois je me chauffe. Imbécile. Chibuzo, tu verras de quel bois je me chauffe. Qu'est-ce que tu peux me faire? Tais-toi, mon ami. Reste là, ouvre ta bouche. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Chibuzo, ce n'est pas encore fini. Tu ne peux rien faire, mon frère. On verra. Tu ne peux rien faire, idiot. Dégage ta caracasse là du moment. Merci beaucoup d'être venu. Bienvenue, mon prince. Oh, allez. Mon nom est Laurence. D'accord? Ok. Ok, voici les photos que j'avais dit que j'allais te montrer. C'est là que j'habite. Wow. Oui. Eh ben, celle-ci, c'est ma meilleure photo prise... au Royaume-Uni. C'est tellement splendide. Merci. Celle-ci, c'est en Alaska. Ici, on dirait que c'est pas toi. Je sais, la température était à 6 degrés. Là, c'est moi au Royaume-Uni. As-tu déjà été au Royaume-Uni à Londres? Montre. Voilà. Bien. Là, c'est moi en Espagne pour un autre vacances. Et là, c'est moi au Queens. Ouais. Ça, c'est ton ami? Oui, c'est mon ami, le gars que tu avais vu. Merci, m'a demandé. Qui est-elle? Je suis sûre que c'est elle la raison qui t'empêche de fournir d'efforts. Enfin, de prouver à tout le monde que tu es capable de prendre la place de ton père. Bien, mère. Si tu fais référence à la compétition dont on parlait, ces femmes... que Chibuzo et moi devons faire pour assurer qu'il doit être roi. Alors je vois que tu es en train de te tromper parce que moi je ne participerai pas à ça. C'est de cette façon que tu vois? Oh ouais. Lorenz, retiens ceci. Du fait que le trône a appartenu dans cette famille, depuis des générations, les gens te choisiront pour que tu leur diriges. Bien, mère, je ne peux pas me battre pour ce qui m'appartient. Ça ne se fait pas. Si ça ne vous dérange pas, j'ai une invitée qui m'attend. Lorenz. Mère. Ça sera une honte. Une grande honte si tu perds le trône. Très bientôt,
vous le verrez. Jay. Biko et Bézana. Oh, soyez forte. Je sais exactement ce que vous ressentez. Ce qui s'est passé ce jour était vraiment terrible, croyez-moi. C'était un accident. Des guerres stupides qui ne veulent pas du tout le progrès de cette communauté. Des ennemis qui sont là pour terroriser le peuple. Hein? S'il vous plaît, acceptez mes sincères condoléances. S'il vous plaît, en fait, j'ai juré de prendre en charge l'éducation des enfants de Ikene jusqu'au niveau universitaire. Hein? Je vous donne ma parole. S'il vous plaît, il faut gérer ceci. Oh, s'il vous plaît. Merci. Au moins, enfin. Quelqu'un se souvient de la tragédie du 6 octobre. Ah, je n'ai pas oublié. Ce jour est marqué dans mon esprit. Croyez-moi, je ne peux pas oublier. Vous me connaissez, je ne suis pas un homme sans cœur. Je ne peux jamais oublier. Je planifiais depuis de mener ce pas, mais je veux que tout se calme d'abord afin que je vienne te voir. Et Ikenan m'a vraiment soutenu avant sa mort. Et je crois que vous allez me soutenir aussi de la même façon. Pas de problème. Je vais vous soutenir. Merci. Je vois quand même que vous êtes différent de Prince. Bien sûr. Bien sûr, je ne suis pas comme lui, c'est un gars stupide, hein? Juste en train de tuer des gens de gauche à droite. Il est vraiment sans cœur. Pour quelle raison, hein? Je ne peux jamais être comme lui. S'il vous plaît, soyez forte, ok? S'il vous plaît, si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi savoir, je vous ai donné mon numéro. Envoyez-moi un SMS accompagné de votre compte bancaire avant la fin de cette journée. Vous aurez quelque chose, d'accord? Ça va, je suis désolé. Mon roi, comme je l'avais dit, vous avez mon soutien, juste à cause de votre bon cœur. Depuis cette attaque, je ne fais jamais un travail ici. Hey, tu vois ce que je disais souvent, hein? Vraiment, les gens souffrent. Ça, c'est vrai, oh. Ça va, ok? Vous n'avez rien à craindre. Hein? Laisse-moi te dire, je serai toujours là pour vous. Tu as mon numéro. Si tu as besoin de quoi que ce soit, envoie-moi un SMS. Tu n'as pas besoin de m'appeler. T'inquiète pas. Envoie-moi un SMS accompagné de ton compte bancaire. Je te ferai quelque chose. Merci. En fait, ne vous inquiétez même pas. Au moment où je serai roi, hein, je vais tripler ça. Vous êtes déjà le roi. J'ai promis que je dirai à tous mes amis de vous soutenir. Vous êtes déjà le roi. On va vous soutenir. Merci, merci. Rappelle-toi, ces articles là-bas, c'est pour toi. Hein? Merci. En plus de ces choses, mon gars va te donner de l'argent. Ok, s'il te plaît, gère ça. Et une fois que nous partions, essaie de les faire rentrer. Je parle bien sûr des articles. Merci énormément. Je t'en prie. Allons-y. Merci, au revoir. Vous êtes déjà le roi. Je suis désolée, Jim. Mon frère a trouvé son bonheur dans une autre personne. Et il est heureux avec elle. Il n'y a rien du tout que je puisse faire pour t'aider. Qui est-elle? Ah, mes anciens, je suis désolé d'être venu en retard. Votre Majesté, Prince Lawrence, Chibuzo, et mes chers anciens, je vous salue tous. Nous avons un dossier en main qui requiert toute votre attention. Lui c'est Okoro, et lui c'est Ubuka. Ils se battent pour une portion de terre. Écoutons leur version des faits.
Okoro, à toi la parole. Je vous salue, votre majesté. Je vous salue, mon prince, ainsi que mes anciens. Oui, salut. Salut. Tout ceci a commencé le mois passé. J'avais un problème. J'étais venu vers mon ami pour lui demander de me prêter un peu d'argent pour mon business. Il m'avait demandé d'utiliser mon terrain comme gage. C'est ce que j'avais fait. Maintenant, j'ai l'argent pour le rembourser. Mais il ne veut pas l'accepter. La durée qu'on s'était fixée a expiré. Ce terrain m'appartient maintenant. Vous vous êtes mis d'accord sur combien de semaines? 3 semaines, mon prince. 3 semaines? Ah, Okoro, tu as gaffé. Hein? Tu aurais dû faire de ton mieux pour respecter ta part de l'accord. Quand tu as remarqué que tu ne pourrais pas, la meilleure chose à faire était d'aller voir ton ami et lui expliquer les choses. Je pense que c'est la meilleure chose. J'avais essayé de le joindre au téléphone, mon prince. Mais à chaque fois, il me disait qu'il n'a pas le temps de me voir. Ah, Ibeka, pourquoi tu l'évitais? Mes anciens, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne peux pas croire que nous sommes tous assis ici pour écouter cette affaire futile. Les garçons sont des adultes. Ils peuvent régler ce problème entre eux sans venir au palais pour déranger notre vie. C'est combien l'argent? L'argent, c'est 250 000 naira. Et s'il veut que je lui remette la terre, il doit me payer le double de mon argent. Mon frère, écoute, ça ce n'est pas bien. C'est pas du tout cool. Guerre, ça c'est de l'anarchie en plein jour. Yahoo. Arrête ça. Si vraiment tu l'appelles ton ami, tu ne peux pas lui demander de te payer le double de cet argent. C'est mauvais. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Okoro, mon prince. Okoro? Oui, mon prince. Très bien. Une minute. Ouais, s'il te plaît, viens vite. Tu vois, Okoro, le temps, c'est de l'argent. Je suis un homme très occupé. Ok? Puis-je te faire une proposition afin que tu lui laisses le terrain? S'il te plaît, viens ici. Mon prince, si j'acceptais, combien je vais gagner par mois? 400 000 naira minimum chaque mois. 400 000 naira? Merci beaucoup, mon prince. Merci. Merci. D'accord, n'est-ce pas? Très bien. Alors, Tony, tu dois prendre ces données, d'accord? Et envoie ça à Franck pour commencer, tu vois, le processus nécessaire pour le paiement du prêt. D'accord? Ok. Okoro, tu vois, si tu es occupé, si tu as des choses importantes à faire, tu n'auras pas le temps de, tu vois, venir ici avec ce problème. Tu n'irais même pas faire le prêt en premier lieu. Hmm? Vous avez raison, mon prince. Donc, c'est une bonne chose que chacun ait quelque chose à faire et ça va réduire la pauvreté dans notre communauté. Hmm? Maintenant, je pense que c'est fini, cette réunion est terminée, tout va bien, il a maintenant son terrain et celui-ci aussi est réglé. D'accord? Maintenant, je dois m'excuser. Allons-y. Chibuzo, tu dois te retenir. Quand même Lawrence a pu régler ça. Merci au Dieu que tu es toujours en avance sur lui. Continue tout ce que tu fais, sachant que tout le peuple du royaume d'Agbabuke sera derrière toi. Chibuzo, ton père a vraiment raison. Je ne veux pas que tu donnes une place à la distraction. Ce ne sont que des pires distractions. Je veux que tu sois concentré et que tu continues de faire ce que tu fais. Nous protégerons tes arrières. Il m'a poussé. Mais je ne peux pas tomber. C'est exact. Je ne tomberai jamais. Ça, c'est exact. Mince. Thank you.
Salut. C'est toi, Chidera? Oui, c'est bien moi. Et qui es-tu? La chose que tu es en train de faire, j'aimerais que tu l'arrêtes. Ça, c'est une enveloppe d'argent. Il y a 500 000. Tu n'as jamais touché cette somme d'argent. Prends ça et laisse le prince Laurence tranquille. Tu peux l'avoir. Ça va bien t'aider. Pourquoi tu ris? Tu peux rire ou pas? Prends cet argent et fais ce que je t'ai demandé. S'il te plaît, je n'ai pas retenu ton nom. Oui. Mon nom est Iroa Ivante. Prends juste l'argent et pars. Je ne suis pas intéressée à ça. Et je n'en serai jamais intéressée, s'il te plaît. Sors de ma parcelle. Tu appelles cet espace parcelle? Oh oui, s'il te plaît, tu peux partir. Je vois que tu es misérable. Tu as décidé d'être bête toute ta vie et toutes tes générations. Pourquoi ne pas prendre ça et arranger ta vie? Ça va beaucoup t'aider parce que tu n'as jamais touché cette somme d'argent. De toute ta vie parce que tu as l'air d'une personne qui est vraiment misérable. Alors tu peux prendre ça? Tu peux partir, s'il te plaît. Tu es vraiment misérable. Tu me demandes de quitter quel lieu? Jette un coup d'œil de là où tu habites. Je veux dire, tu n'es rien. Une fille insensée. On te donne une somme d'argent, tu refuses de prendre, tu fais des fières, imbécile. Progrès. C'est ça, vraiment. Tout d'abord, je vais vous remercier d'être là. Oui, pour avoir risqué vos vies, pour avoir défendu votre royaume, pour cette communauté, notre communauté. Cela montre que vous avez un amour immense pour notre peuple, tout comme moi. Et pour cela, je suis très content de vous. Dalom, merci. Je vais vous récompenser. Oh oui, je vais récompenser les femmes de ce royaume, les grandes femmes de ce royaume. Je vais faire cela en donnant aux femmes ce qu'elles ont toujours demandé. Vous savez, à bon endroit, j'ai grandi ici, comme vous le savez. Je crois qu'il faut exactement savoir ce que les populations ont besoin et le leur donner. Les femmes de cette grande communauté ont souvent demandé un hôpital général, un grand hôpital qu'elles peuvent aller et recevoir des soins de qualité. Au moment où je serai roi, ça sera mon premier projet. Je vous promets. Et je ne vais pas m'arrêter là. Je le rendrai gratuit. Ah oui, afin que nos femmes puissent y entrer, avoir des soins de qualité, sans payer un centime. Ah oui, je le ferai. Vous savez, notre défunt roi avait tout à sa disposition. Il avait de l'argent, il avait le soutien du gouvernement, tout. Il pourrait construire cet hôpital, même 5 ou 10. Mais il a refusé. Pourquoi? Avidité. L'intérêt de soi. Obiodjo. Il préfère s'asseoir et regarder son peuple souffrir. Hein? Et finalement, il est décédé. Maintenant, son fils veut devenir roi. Le même garçon qu'il a élevé à son image et à son style de vie. Le même garçon à qui il a inculqué toutes sortes de méchancetés, Obiodjo. Pensez-vous que Prince Lawrence va construire un tel hôpital? Ou même faire évoluer les choses dans ce royaume quand il devient roi? Non, jamais. Hein? Un adage dit, tel père, tel fils. C'est oui. Ça. Oui. Nous vous connaissons. Vous avez été avec nous dans ce village. Vous avez partagé notre exactement. Souffrance. Ah oui. Et vous connaissez ce dont nous avons besoin. Hein? Vous pouvez faire tout pour nous. Ah oui. N'est-ce pas, mesdames? Ah oui. Mais le prince ne fait pas attention à nous. Bien sûr. On ne veut pas de lui. Bien sûr. Je suis content que ces mots viennent de vous et non de moi. Sinon, ça serait comme je suis en train de me vanter. Hein? Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Bien sûr. Dieu m'a béni. J'ai souvent eu l'opportunité de rester en dehors de ce royaume, voyager dans d'autres pays. Mais j'ai dit non, je dois rester ici afin d'être proche de mon peuple. Vous savez, afin que j'aide mon peuple à avoir ce qu'il a besoin. Je sais ce dont les populations ont besoin et je leur donne toujours cela. Ce que je dis est très simple. Soutenez-moi.
et je vais vous soutenir éternellement. Sans perdre plus de temps, nous savons tous que le temps c'est de l'argent. Je ne peux pas prendre vos temps et après vous laisser partir la vite. Cet argent est pour les femmes, l'association des femmes. Faut pas que certaines soient écartées. Merci. Ma chérie, j'aurais vraiment souhaité que tu sois là. C'est pas vrai. Je te dis, si tu étais là, tu allais bien voir. Cette fille, es-tu malade? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? De quoi parles-tu? As-tu perdu la tête? As-tu perdu la tête? Je te parle. Pourquoi tu as fait ça? Laurence, calme-toi s'il te plaît, dis-nous ce qui se passe. Peux-tu imaginer que cette pute était allée chez ma petite amie? Elle a prévenu de rester loin de moi. Es-tu dingue? Comment oses-tu faire ça? Laurence, n'est-ce pas qu'on était amoureux depuis notre enfance? Pourquoi peux-tu dire ce genre de choses? Je t'avais dit depuis qu'on était enfant que ceci ne pourrait pas marcher. Ne te l'ai-je pas dit? Tu sais quoi? Enlève tes fesses de ce palais maintenant même. Oh, s'il te plaît, Laurence, arrête! Tu peux pas dire ça à mon amie quand même. Elle n'ira nulle part. Oh, vraiment? Laurence, je suis supposée être ta femme et non celle-là qui n'est rien. Quitte ce palais maintenant. Laurence, elle n'ira nulle part. Oui, je ne sors pas d'ici. Tu ne vas nulle part. Je ne sors pas d'ici, tu dois m'épouser. Très bientôt, vous me sentirez. Avant que je ne commette le meurtre. Laurence! Ceci n'est que le commencement. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mes chers anciens, Votre Majesté, je vous salue. Ce garçon a été surpris dans les lits avec la femme de Ichiawa. Et nous les avons amenés ici pour que les deux princes décident sur quelle punition leur infliger. Aro. Comment cet idiot peut faire une chose pareille? Qu'est-ce qui se passe avec vous, ces jeunes? Vous n'avez plus de respect? Hein? Vous n'avez plus de respect? Comment peux-tu faire une chose pareille avec la femme d'autrui? Hey. S'il vous plaît, tout ceci ne me plaît pas. Que veut dire tout ceci? Hein? Il est temps que nous cessions cette futilité. N'avons-nous pas des choses importantes à faire avec notre temps? En tant que des hommes nobles que nous sommes, devons-nous nous asseoir chaque fois pour discuter des problèmes familiaux de notre homme? La dernière fois, vous m'avez réveillé disant que quelqu'un a volé une poule. Alors, il faut venir discuter comment il faut retourner la poule au propriétaire. L'autre jour, vous m'avez encore réveillé disant que Ichiagugu avait 15 enfants, mais il n'arrivait pas à pourvoir à aucun de ses enfants. Comment est-ce qu'un homme peut arriver à pourvoir à aucun enfant sans avoir du travail? Ça, c'est incroyable. Non, asseyons-nous et discutons des choses importantes telles que créer de l'emploi dans cette communauté. Comment automatiser nos jeunes au lieu de s'asseoir et discuter des futilités? J'ai quitté ici, s'il vous plaît. Laurence! Tu veux désobéir aux anciens? Comment oses-tu? Es-tu devenu fou? Prince Laurence, s'il vous plaît, mettez-vous. Hein? Comment oses-tu t'adresser aux anciens de cette façon? Mère, le temps c'est de l'argent. Je ne peux pas m'asseoir ici et discuter des futilités. Et que ce soit la première et la dernière fois que je suis appelé pour discuter des choses pareilles. Mère, je sors d'ici. Laurence, reviens ici.
C'est quoi avec ces garçons? Vous voyez ça? Hey, bébé. Oui, je suis là. Comment tu vas? Viens ici. Oui, ça va. Content de te voir. Salut, copain. Bonjour, prince. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Je pense que ce n'était pas trop stressant pour vous. Pas du tout. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Quitte ce palais immédiatement. Sors d'ici. Depuis que mon fils t'a croisé, sa vie n'est plus la même. Dégage. Va-t'en. Mère, s'il te plaît, peux-tu te calmer et rabaisser ta voix? Nous avons des visiteurs ici. Oh, désolé. Sois le bienvenu. Merci, votre majesté. Salutations, votre majesté. Hein? Avons-nous encore besoin d'un devin pour nous dire que ce garçon n'est pas digne pour être sur le trône? Hein? Nous en avons assez de cette bêtise. Le prince Laurence a manqué du respect et des considérations envers ses anciens à plusieurs reprises. Les anciens de notre terre, il est grand temps pour nous de décider qui doit être le roi et diriger ce royaume. Si vous voulez que ce prince irrespectueux devienne roi, soulevez vos mains. Et si c'est Chibozo que vous voulez qu'il soit roi et dirige ce royaume, soulevez vos mains également. Mère, voici Monsieur Brown et Samson Coupin. Voici ma mère. Nous sommes honorés de vous rencontrer, Majesté. Je vous en prie. Ouais, très bientôt, tu sauras qui est qui et qui fait quoi. Maintenant, allons-y. Bébé, j'arrive, hein. Reste cool, j'arrive. Puis-je avoir le dossier? D'accord. S'il vous plaît, excusez-nous un peu, une minute. Mon cher peuple de Agbamike, la paresse est une très mauvaise chose, ainsi que le manque d'emploi. Il est temps d'arrêter de se mêler dans la vie privée des autres et être occupé. Je veux dire, c'est déplacé. Ne peut-on pas discuter des choses importantes? Nous avons déjà vu les genres de personnes que tu aurais pu être si on t'avait laissé ce royaume pour que tu les diriges ainsi que son peuple. Prince Laurence, et ça c'est quelque chose que nous n'allons pas accepter. Et même si ce trône te revient de droit. Bien, quand tu étais là à manquer du respect aux anciens, nous avons décidé que Chibozo prenne le trône. Pourquoi? Parce qu'il est meilleur plus que vous ne le pensez. Et je promets de diriger ce royaume avec beaucoup de sagesse et lui apporter du progrès. Mon cousin, pas de chagrin. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. J'ai toutes les capacités pour diriger ce royaume. Bien. Nous avons tous besoin de reconsidérer cette question de qui doit être roi et qui ne doit pas l'être parce que si tu as des pieds artificiels, même si on te fait tomber, tu dois juste te relever. Oh oui, en effet, oui. Alors, vous voyez, je suis en train de mettre beaucoup d'efforts en silence pour assurer que j'apporte de l'emploi dans cette communauté, pour assurer que les jeunes sont automatisés, d'accord? Très bien, alors... Voici l'un de mes dernières réalisations. Avant de commencer, voici ce jeune homme ici. Monsieur Brown et Monsieur Smart. Ils sont du ministère fédéral de l'aviation. La raison principale de leur venue dans notre communauté est de vérifier nos terrains et vous voyez, voir s'ils peuvent trouver un terrain vaste où un aéroport international peut être construit. Savez-vous ce que cela veut dire? Une fois que l'aéroport sera construit,
beaucoup d'entreprises viendront. Oui. L'aéroport uniquement va embaucher près de 5000 jeunes. Ça, c'est merveilleux. C'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce que j'avais dit? Regarde. Hey, franchement, ça, c'est ce dont on a besoin. Hein? Dans notre royaume, on a besoin de ce genre de projet. Ils ont franchement, c'est ça. Et ouf, ça, ça change la donne. Et en conséquence, le contrat est déjà signé, soleil. Donc, c'est ça, mes anciens. Agunaya. Ouh. Donnez à Chibuzo. Donnez lui aussi. Mon fils, le genre d'humiliation que Chibuzo et son père ont reçu aujourd'hui les a ouvert les yeux. Tu as bien fait. Bien, je suis content que finalement vous avez vu la lumière, n'est-ce pas? Bien, ça c'est rien. J'ai dû juste faire ce que je devrais faire. C'est mon travail, c'est-à-dire c'est ma responsabilité de mettre mon peuple à l'aise et leur donner ce qu'ils veulent. C'est exactement ce que j'ai fait. Je parie que vous pensez que je ne faisais que me promener n'ayant rien à offrir. Mais avec ça, il est clair que je travaille plus que chacun de vous dans ce palais. Tu me l'as prouvé aujourd'hui. Félicitations. Merci, mère. Je suis responsable, c'est ce que je veux pour mon peuple. Pas si vite, jeune fille. Tu viens d'où?
Moi? Oui. Je ne comprends pas. D'accord. Bois ces jus. Désolée. Le verre appartient au prince Laurence. Ah, mais je ne me plains pas. Il a de l'amour dans le partage. D'ailleurs, on s'élève en élevant les autres. Oui. Donc, ce n'est pas mauvais si tu bois de mon verre. Oh oui, alors c'est le jus qui est fait pour les princes ou c'est le poison qui est fait pour les princes? Allez, prends juste un peu, ça c'est rien. Il a de l'amour dans le partage. Parle. Et que ça saute. Je dis parle! Désolée. Désolée, ma reine. Mon prince. Pour qui travailles-tu? C'est Chibuzo. Chibuzo. Chibuzo, oui. Ma reine, désolée. Ma princesse. S'il te plaît. Arrête. Désolée. Tony, arrête, s'il te plaît. Nous allons résoudre ces problèmes. Garde. Je suis désolée, ma reine. Désolée, ma reine. Pitié. Oui, votre majesté. Pitié. Lève-toi. Mon prince. Lève-toi. Je suis désolée. Désolée, pitié. Pitié. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, je n'en reviens pas. Oh. Oui, qui es-tu? On a besoin de toi au palais. Dis-leur que je serai là plus tard, je suis très pris. Il faut que tu viennes avec moi, immédiatement. Mon frère, es-tu ivre? Dis-leur que je serai là plus tard. Sors. Vous ne m'avez pas encore donné la raison de ma présence ici. Où est ton père? Où est mon père? Qu'est-ce que cela a à faire avec toi? Hein? Attendez, mon père et ton père, quel est le problème? Qu'est-ce que je fais ici? Chibuzo, nous avons reçu l'information que tu as recruté l'une des servantes du palais pour empoisonner le prince. Quoi? Est-ce vrai? Excusez-moi. Est-ce que vous êtes ivre? Hein? Vous avez fumé? Savez-vous ce que vous dites? Ça, c'est une accusation grave. Bien sûr. Pourquoi voudrais-je empoisonner mon propre frère, mon cousin, quand je suis déjà qualifié pour accéder au trône? Pourquoi voudrais-je le tuer? Mensonge. Tu es un menteur. Garde. Oui, votre majesté. Viens avec elle. D'accord. Votre majesté, elle est morte. Quoi? Je l'ai vu coucher dans un marais de sang. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Vous ne me parlez pas. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, vous m'avez accusé de vouloir empoisonner mon propre cousin. Et après, ce singe est venu ici pour dire que votre témoin est morte. Qu'est-ce que cela a à faire avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Chibuzo, tu es un très intelligent menteur. Tu vas t'être invité ici pour te dire ce que j'ai à l'idée. Financièrement, je suis plus riche que tu ne peux l'imaginer. Mais ça, c'est un sujet pour un autre jour. Tu vois, ce bras de fer de devenir le roi a fait perdre la vie aux gens innocents, y compris ton père. Oh, n'essaie pas de me faire l'étonner. J'ai amené le corps de son père à la morgue, personnellement. Chibuzo, est-ce vrai que ton père est mort?
Ça, c'est grave en tout cas. Bien. Je suis fatigué. Je suis fatigué de perdre la vie des gens innocents juste à cause du trône. Le trône ne vaut pas leur vie. Alors j'abandonne. Chibuzo, tu peux avoir le trône. Deviens le roi et dirige le peuple. Je ne peux pas croiser les bras et voir mon peuple mourir innocemment. Juste à cause de tes raisons égoïstes. Pour ton information, je quitterai ce royaume pour de bon. J'amènerai ma mère au Royaume-Uni afin que tu fasses du trône ce que tu veux. Lawrence, attends. Lawrence, tu as raison. La bataille pour le trône prend beaucoup de vie. Des âmes innocentes. Y compris mon père. Et j'accuse mon père parce que il m'a poussé dans ça. Mon père n'arrêtait pas de me faire savoir que le trône devait venir à notre famille et non à vous. Et j'ai commencé à me battre pour ça. Je suis désolé. Je sais que mes excuses ne feront pas revenir en vie toutes les personnes qui sont mortes pour ça. Mais je veux que tu saches que je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Le trône t'appartient. Ça, c'est vrai. Pas à moi. S'il te plaît, reste et dirige les populations. Non, Chibuzo. C'est une bonne chose d'avoir présenté tes excuses et je t'ai pardonné. Quand bien même tu as aussi essayé de m'empoisonner. Mais la vérité est que la raison principale pour laquelle je suis descendu a été accomplie. Vous pouvez témoigner que vos enfants ont maintenant de l'emploi. J'ai apporté du développement dans le royaume. Et c'est une grande réalisation pour moi. Pour le trône, je ne suis pas intéressé. Tu peux avoir le trône. Lawrence, s'il te plaît, je te supplie. Beaucoup s'est passé. Mais la vérité est, la tradition, c'est la tradition. Et la tradition doit être respectée. Le trône t'appartient. S'il te plaît, reste et dirige notre peuple. Pardon. Mon prince, s'il te plaît, je t'en prie. Ça te revient de droit. Être notre roi. Oui, c'est toi l'héritier légitime.
Ugo chara chara echu echu anyi gwaronye onye mechie anyi gwaronye na anya yaga anyi gwaronye kowa no ko na agba ofia ka ogbo osisi na akpi kagam Vous pouvez commencer. Merci. Les grands anciens du royaume d'Abamike. Ekenemono. Merci. Par le pouvoir investi en moi, comme seconde autorité, je suis venu te couronner roi du royaume d'Abamike, Prince Lawrence. Ça, c'est le Otho. Ça fait de toi le grand roi du royaume d'Abamike. Tu es maintenant le nouveau roi du royaume d'Abamike. Peuple d'Abamike, je vous salue tous. Je dois vous remercier pour ce jour et je dois vous promettre que ce pas que vous avez pris en faisant de moi le roi de ce grand royaume ne sera jamais en vain. Je ne serai pas seulement le roi mais aussi le père de notre peuple. Je vous promets tous que je vous servirai infatigablement. Tout au long de mon règne, je serai votre roi, votre grand roi. Merci. Chers anciens, nous avons fixé un jour et ce jour est arrivé. Les gens s'impatientent de voir leur roi et il est grand temps pour nous de leur présenter le nouveau roi. Maintenant, ils vont voir. Allons-y.